Et hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live. On est en direct aujourd'hui, euh, exceptionnellement sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On, on... salut à tous. Alors, 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 on a qui On a qui On a qui On a euh, Tutur, Bimbo, euh, Gabé. Salut à tous, les amis heureux de vous retrouver ce soir pour euh, quelque chose d'incroyable la première course à étapes euh, qui existe qui existe sur Zwift elle a été créée par la French fusion évidemment on ne pouvait pas louper ça euh, donc, donc 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 ça va annoncer du lourd vous allez voir que la présentation va être un petit peu longue alors je vais me mettre maintenant qu'on est prêt je vais me mettre sur le Discord euh, de de, 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 de l'événement comme ça et euh, eh ben Alexis pourra me rejoindre dès qu'il le souhaite non. Donc voilà. euh, je... Salut Alexis. Pe ah oui, un petit instant, très bien. Bonsoir Alexandre. Euh, 30 petites secondes, est en train de présenter les équipes d'accord Pas de problème. Alors, je vais mettre sur le général. Il me rejoindra quand il voudra. Je ne savais pas qu'il était en train de parler. Alors, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, donc, on se retrouve pour euh, les euh, routes euh, de Juifs. Première course à étape euh, créée par la French Fusion et première course à étape tout simplement créée sur Zwift On se retrouve aujourd'hui donc le 21 avril. Départ à 19h55 pour cette étape numéro 1 qui se dir... qui se déroulera donc à Richmond. On parlera du circuit dans quelques instants. Euh, total de 32 km pour deux tours de 16,3 km On aura plus ou moins 300 mètres de dénivelé positif on aura deux sprints euh, intermédiaires qui, qui, qui compteront pour les points chauds et on aura deux euh, montées qui compteront pour euh, le Grand Prix de la montagne plus simplement alors au niveau des autres étapes euh, comme vous pouvez le voir devant vous on aura demain 18h ce sera sur Arrowgate en Angleterre à Londres le 23 avril ce sera sur euh, le circuit euh, des, des championnats du monde 2018 euh, ce sera euh, presque 50 km pour euh, cette étape numéro 3 étape numéro 4 ce sera à Surrey Heights étape numéro 5 le 25 avril ce sera samedi à Tempus Fugit ce sera un, 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 tout simplement un compte la montre et le 26 avril étape numéro 6 étape euh, fatidique euh, deuxième étape euh, de semi-montagne enfin première étoile, étape de, de vallée. il y aura eu deux étapes de montagne avant et ce sera euh, donc euh, bah, tout simplement départ 9h20 salut Alex c'est Benoît, merci de le mettre sur Youtube on peut baisser la qualité ici comparé à Twitch ben de rien mais en fait normalement je n'ai pas le droit de le mettre sur, sur Youtube vu que j'ai un mini partenariat avec Twitch mais je ne vous en veux pas vous inquiétez pas de façon aujourd'hui on est sur facebook on est sur youtube on est sur twitch on est un peu partout donc euh, voilà c'est quoi z power c'est zwift power c'est euh, un endroit sur lequel euh, en fait ça permet de vérifier euh, les données et être sur euh, euh, sur quelque chose de, de plus euh, valide au niveau des, des, des données euh, écrites je sais pas comment mieux exprimer ça mais en gros euh, en gros <laughs> Vous avez euh, des données parfois sur euh, sur Swift qui sont pas très correctes. Promis, on dira rien. Ouais, je vous compte sur vous, je compte sur vous, les amis, pour euh, pour ne rien dire. Alors, euh, on va attendre tout simplement avant de présenter le parcours qu'au niveau de la French Fusion, ils soient prêts parce que bon, c'est quand même eux qu'on attend là, euh, parce que c'est tout simplement sur eux qu'on doit compter pour, euh, pour 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 tout simplement, enfin, eux comptent sur moi surtout pour présenter le parcours du jour. Alors, on est aujourd'hui. Euh, aux États-Unis, à Richmond, parcours, des, du, parcours du, du, du mondial de 2015, en Virginie, aux États-Unis. Donc euh, je crois que vous vous en souvenez, il avait sacré euh, euh, Peter Sagan. Alors je refait quelques trucs pour voir si tout va bien voilà nous sommes 5 sur Twitter nous sommes une dizaine sur YouTube et euh, vous êtes un sur Facebook je sais pas ce qui se passe pour le moment mais euh, plus grand monde sur les lives alors je sais pas si c'est un bug euh, et que c'est la plateforme qui voit mal mais pour le moment il y a plus grand monde sur les lives dommage c'est pas grave euh, je vais quand même animer comme si euh, vous étiez très nombreux aujourd'hui euh, départ de la course dans 25 minutes donc on a le temps hein. euh, donc on a largement le temps. Je rappelle que Quentin est en live euh, en direct euh, sur euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur YouTube. Regardez, on a son image qui, qui s'affiche ici. Euh, je ne cours pas, Ross. Salut. Et il me semble que c'est ton anniversaire aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Euh, joyeux anniversaire, Ross. Moi, j'ai malheureusement pas de fumée. J'ai même pas de webcam. Donc euh, voilà. Je, je ne cours pas aujourd'hui, par contre, Ross. Donc pas de victoire pour ton anniversaire. Mais euh, je vais commenter cette course. Euh, ça va être palpitant, ça va être beau. On va voir quelquefois comme vous. vous vous le voyez là, euh, bah, tout simplement Quentin souffrir. Par contre, je t'avais envoyé un message, pas à propos de ton anniversaire, mais euh, parce qu'on organise une course entre euh, YouTubeurs, euh, Twitchers, euh, Instagrammeurs. C'est une course un peu fun, ça se passe le 4 mai et je t'avais invité, mais j'ai pas eu de réponse et j'étais tout triste. Mais donc, si ça t'intéresse, tu peux venir et t'inquiète pas, t'as le niveau. T'as le niveau, je suis sûr, va pas commencer à dire t'as pas le niveau. Ah, t'as vu J'avais pas vu que tu t'avais vu. Comment je vais, Roxy si, bah, Écoute, je vais très très bien. Comment tu vas, toi Je vais aller voir un petit peu le chat, parce que du coup, vu qu'il y a trois chats à lire aujourd'hui, ils sont regroupés ici. Donc, donc donc sur YouTube, ben, Benjamin, d'ailleurs, Benjamin, est-ce que ça, ça, ça t'irait de, de, de venir, enfin, euh, euh, de faire la, comment on appelle ça La modération sur 5311, c'est le, le live qui, qui se déroulera très bientôt. Allô Oui, allô ah, est problème il est je, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas grave. Alors, euh, hop. Pourquoi l'image bug Ah, vous avez le chat en fait. Ok, vous avez le chat. Et autant pour moi. On va retourner là-dessus. Alors... Salut. Alors... Allô. Allô. Bonjour les gars. Je sais pas qui c'est qui est là. C'est Jean-Luc moi. Alexandre. Bonjour Jean-Luc. Oui, je suis en plein live Jean-Luc. Ok. Comment tu vas ça va, ça va, ça va. Pour tu fais la, la course également Ah non, moi je la commente aujourd'hui. Mais, euh. Cool. Tu, 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 es prêt à en découdre du coup Euh, non, j'ai pas la pêche, je suis pas bien. <laughs> ah, <ça, rire> je rentre du... je rentre de bosser, je monte, euh, je me suis changé, je viens de grimper sur mon vélo, je tourne les jambes et puis je suis complètement. Pas en forme. Mais bon, ah, bon. c'est C'est 32 bornes C'est 32 km aujourd'hui, ouais. Ça va monter ah, un petit là. peu. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé, je crois. Il y a 300 mètres à peu près. Ouais, c'est possible. Je, Ouais, c'est ça. Ouais. 200, 284 mètres. Ouais, c'est pas mal. C'est bien. C'est, Ça va rouler vite, je pense. Ça va rouler extrêmement vite. Je vais te laisser mmh. parce que je vais passer sur l'autre canal. Te mais je te, je te souhaite je bonne chance prie. pour la course. Et, euh... et ben, du coup, bonne merde. Ciao, ciao. Salut. Bon, Jean-Luc. Hop. Voilà à changer éventuellement, ah, d'accord Bon je Donc voilà je, je te problème. laisse présenter tout le monde pendant que j'essaie de je trouver le problème d'accord je sais pas où je vais me mettre je sais pas où je vais me mettre voilà on va faire comme ça tant pis écoutez ça fera beaucoup de choses à changer mais je ne sais pas du tout où je vais me mettre pour pouvoir euh, parler en gros euh, sur, euh, sur ce, ce YouTube euh, j'entends plus Alexis là donc tant mieux enfin pas tant mieux parce que je n'ai pas envie de l'entendre mais tout simplement parce que euh, parce que ben, <laughs> c'est bizarre de commenter avec quelqu'un qui est dans vos oreilles alors je répète parce que évidemment j'attends euh, qu'il soit prêt du côté de chez de chez, de chez Alexis et du, du live YouTube de la Frenchy Fusion pour présenter le parcours à tout le monde. Mais je rappelle que donc aujourd'hui nous sommes en euh, course Frenchy Fusion, enfin moi je ne cours pas, je commente, euh, mais donc les routes de Zwift, 5 euh, étapes, 6 étapes pardon, euh, première course par étape euh, sur Zwift. Euh, je, je suis en train de voir un petit peu de modifier ça. Et, un petit euh, en fait, mais, euh, et en gros, gros autant, en fait, si passe, et en gros, et en gros, aussi, et en gros, attendez on va faire comme ça. Voilà. Parce que donc, UCI euh, justement, le Circuit, c'est le circuit d'aujourd'hui, 32 km voilà, de course, 2 tours. Je suis en train de demain, étape 2, 18h, attention, ce, euh, ce, euh, euh, ce sera 2h plus tôt, quasiment, ce sera ai euh, 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 sur Arrogate en Angleterre, étape numéro 3. UCI World Tour, alors attendez, parce que là, c'est plus possible, moi, j'en peux plus, je peux pas commenter avec Alexis dans mes oreilles, c'est pas faisable. Où est-ce que je vais aller me foutre Où est-ce que je vais aller me foutre Il n'y a plus de salon libre. Je vais aller retourner sur le général. Voilà, tant pis. Je suis sur le général. J'espère que personne ne viendra sur le général. Euh, voilà. Euh, donc qu'est-ce que je disais, excusez-moi, hein, c'est un peu chaotique, mais bon, euh, l'organisation est un petit peu particulière aujourd'hui, euh, étape numéro 3, UCI World Short Lap, ce sera 47 km de course, étape numéro 4 le 24 avril, 44 km de course, étape numéro 5 le 25 avril, ce sera l'anniversaire de mon père, ce sera sur Tempus Fuji, ce sera le compte-la-montre euh, de euh, 17,6 km, très très plat, seulement 16 mètres de D donc là on va voir du gros gros watt, ça va rouler extrêmement vite, et ensuite...

651 mètres de D, si on le voit aujourd'hui c'est une étape relativement plate, on aura une étape de vallon demain, on aura une étape de montagne euh, pour le 23, on aura euh, l'étape reine euh, le 24 avril avec 1034 mètres de D et euh, on aura le 25 avril donc le compte la monte extrêmement extrêmement plat et euh, Watiopia Big Loop Reverse euh, pour conclure et ce sera aussi une étape de vallon. Donc autant vous dire que ça va envoyer euh, sévère, ça va être assez euh, assez. Euh, Enfin, ça va être vraiment pas mal au niveau ambiance. Ça va, ça va. Merci. Belle sortie de ta part aujourd'hui. Prêt pour commenter cette course de fou furieux Ouais, aujourd'hui, je me suis fait plaisir. Euh, J'ai été roulé euh, plus ou moins deux heures tranquille dans quelques bosses, euh, Je me suis bien amusé. C'était bien sympa. Euh, J'ai pris du plaisir. J'ai bronzé. Il faisait beau, soleil, etc. Euh, donc voilà, voilà. Et, euh, et donc ça a été, mais donc je me per... enfin j'ai fait quand même du coup 135 km hier, aujourd'hui euh, 62 ou 63 km, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc pas de pas évid évidemment pas de pas de course aujourd'hui, c'est pas le moment. Euh, on va retourner sur la route très bientôt pour faire des courses, donc il faut se préparer à ça, donc c'est pas le moment d'aller faire des courses actuellement. Et vous, comment ça se passe pour le moment euh, Comment vous allez parce que je vais prendre un peu de vos nouvelles. Et puis euh, si à 40 euh, j'ai pas de nouvelles de, de la part d'Alexis, je commencerai la présentation du circuit. Mais actuellement ils sont en train de présenter les, les coureurs. Donc euh, voici euh, l'explication voilà, voilà pour laquelle je peux malheureusement pas euh, vous, euh, bah vous, 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 vous exprimer euh, la difficulté au niveau du circuit que les coureurs vont affronter aujourd'hui. Je tiens quand même à vous dire qu'ils vont quand même bouffer pas mal. Parce qu'on se dit comme ça, ouais, 284 mètres de dénivelé plus. Euh, de, donc de, de, de positif, c'est pas, pas exceptionnel. Mais sachez quand même que euh, la course fait uniquement 32 km et que, euh, comme l'a très bien dit Voxy, on est avec des fous furieux. Hein. On est avec des mecs qui vont envoyer des sacs dès le départ. Ça va être vraiment extrêmement dur. Donc autant vous dire que, euh, que ça risque d'envoyer euh, des, des, des pavés assez rapidement. Alors je vais boire un, un instant. Hop. Et voilà. Let's go Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi écrire dans le petit chat, si vous êtes sur YouTube, il est à votre droite, si vous êtes sur Twitch, il est également à votre droite, droite, et si vous êtes sur euh, Facebook. Il est juste en dessous de cette fenêtre. Bienvenue à tous. Vous pouvez me laisser un petit message, ça me ferait un plaisir de le lire. De le lire. Enfin, J'ai du mal aujourd'hui. On est plus ou moins une quinzaine. Bienvenue à tous. La course va commencer dans maintenant quelque chose comme euh, 12 minutes. Euh, non, 17 minutes. Pardon. Alors le, le mec est à bloc. Je, je suis à bloc, regardez-moi ça. Boum Attention, transition. On est sur la ligne de départ, les routes de Zwift, étape. Une, ça va envoyer sévère, hein, autant vous dire qu'on va avoir du spectacle 17 minutes avant le départ, on va bientôt euh, présenter ce circuit, ce circuit qui comporte 4 points chauds, euh, et ça va être vraiment du très très beau spectacle, on essaiera de voir qui va prendre le maillot, c'est très difficile à voir en direct parce que ce n'est pas le premier qui passe la ligne, qui prend les points, mais c'est bel et bien euh, celui qui fait le meilleur temps euh, de des petits tirés jusqu'à l'arrivée, vous verrez ça quand on roulera, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vous verrez ça très rapidement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zwift aussi, vu qu'on est sur Facebook aujourd'hui, on pourrait avoir des, des gens qui, qui, qui ne connaissent pas Zwift, qui ne savent pas ce que c'est, euh, je vais expliquer en, en, en deux temps de ce que c'est. C'est euh, en fait euh, une plateforme de cyclisme virtuel qui à la base sert à l'entraînement. Zwift euh, n'a pas pour vocation de créer des, euh, des courses à la base, mais ils font quand même des courses depuis euh, maintenant euh, plus d'un an, même près de plus de deux ans. Et il y a de plus en plus de courses, et surtout avec le confinement, bah, les, les champions qu'on a aujourd'hui qui vont se battre sur cette ligne, et bah, ils ont envie euh, d'en découdre. Et nous avons, euh, nous avons donc cette plateforme de cyclisme virtuelle. Donc en fait, nous avons des, des gars et des filles qui sont euh, chez eux, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur garage, dans leur cave au cas où, euh, au cas où euh, bah, leurs compagnons voudraient euh, pas euh, qu'ils fassent du vélo à l'intérieur. Hein, ça arrive. Hein. Ou alors il fait beau aujourd'hui, peut-être qu'ils sont dans leur jardin. Enfin bref, vous avez compris. Ils ont en fait des capteurs de puissance où et ou euh, des home trainers connectés euh, qui, qui coûtent une fortune et euh, quand ils pédalent il y a des données qui sont collectées par l'ordinateur et qui envoient tout ça sur le jeu et en fait celui qui pédale le plus vite et eh ben c'est celui qui gagne la course après ça ne se joue pas que à ça parce qu'évidemment vous avez euh, comme, comme vous vous en doutez vous avez euh, ben, quand même une technique tactique, une technique de course euh, qu'il faut connaître. et donc, euh, donc voilà, Mais en tout cas, aujourd'hui, on risque d'avoir du beau spectacle. Donc comme ça, pour ceux qui découvrent Zwift, euh, vous savez ce que c'est. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une course à étapes. C'est la première étape. Demain, je rappelle que le tour de Suisse commencera. Euh, donc le tour de Suisse virtuel commencera. Ce sera sur une plateforme qui s'appelle cool Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, on est sur les routes de Zwift, événement francophone, où on va voir un spectacle de malade. Euh, pour le moment, on n'a pas de classement hein, à vous présenter euh, parce que Évidemment, ben, c'est la première étape, donc on ne sait pas qui sera vainqueur. Mais en tout cas, demain, on aura euh, déjà, lors de la deuxième étape, un porteur du maillot jaune euh, qui sera le leader du général. On aura un porteur du maillot à poids qui sera euh, le vainqueur des deux euh, Grands Prix de la Montagne que nous avons aujourd'hui. Et on aura également euh, un maillot vert, porteur du maillot vert, qui sera... Euh, je, je mets une petite pièce sur Jean-Baptiste Messant très très bon sprinter mais donc il sera peut-être maillot vert demain moi je mets une pièce sur lui on verra euh, et donc euh, il partira sans doute demain avec, euh, avec cette, euh, cette belle euh, piècette sur lui bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent alors je vais regarder un petit peu le, le chat euh, salut tu visionnes ou tu cours alors aujourd'hui je, je commente j'ai déjà fait assez j'ai donné assez j'ai fait 130 km hier aujourd'hui un petit peu etc donc voilà je la fais en B et je vais mourir. Ah bah ben, courage Juju, on le soutient. Tout, je suis sûr que tous les viewers vont le soutenir au jeu Voilà, ça y est, ça grimpe. Hein. On, est, on est plus de 30. Bienvenue à tous. Benjamin, pour info sur Twitch, tu peux baisser la qualité aussi. Eh ben, je l'ignorais, mais merci Frucule euh, pour cette information. Alors, ben, on est presque prêt là. Bon, je crois que je vais présenter le circuit parce que je ne sais pas où ils en sont du côté euh, de la Fremsey Fusion. Mais en tout cas, euh, salut Quentin, comment tu vas Bienvenue Quentin sur, sur ce live. Tu es prêt à suivre la course euh, J'espère que ça te plaira. Euh, en tout cas. Euh, je, vais, euh, je vais vous présenter le circuit parce que ben, le temps presse et puis si jamais ils arrivent en cours de temps, je recommencerai euh, ou euh, tout simplement je, euh, je ferai autre chose. Attention, transition, euh, circuit. Alors attendez, je vais vous remettre un petit coup d'intro avant et on se retrouve tout de suite après. Ça me laissera le temps de m'hydrater un petit peu. Voilà, on se retrouve donc avec ce circuit Richmond 32 km. Alors, on va parler déjà de ce circuit de Richmond. Très important d'en parler. C'est le parcours des championnats du monde UCI qui se sont déroulés donc euh, en 2015 en Virginie aux États-Unis. C'est lors de cette course que Peter Sagan avait attaqué sur euh, la 23 e rue pour finalement remporter son premier maillot de champion du monde. On rappelle qu'après il en a eu deux autres. Euh, donc un grand champion qui s'est euh, imposé et on aura aussi en, du champion hein, aujourd'hui pour, pour, pour cette course. Euh, C'est un super parcours hein, avec une première moitié extrêmement plate et puis on va avoir un beau mélange de montée euh, et euh, et de descente. Vous verrez ça très bientôt. Au niveau, donc ça c'est pour l'aspect technique de la réalité, vu que le parcours a été vraiment recréé 100% à l'identique. Maintenant, si l'on parle de euh, alors je vais voir par contre si j'ai pas fait de bêtises au niveau de, de Discord je n'ai pas fait de bêtises c'est parfait donc au niveau euh, au niveau au niveau de, de, de Zwift maintenant il faut savoir que ce circuit depuis le 6 février 2020 donc c'est assez récent euh, Zwift a ajouté la possibilité de faire demi-tour sur ce circuit donc euh, voilà c'est assez sympa c'était un petit peu l'anecdote tactique du jour alors si on voit maintenant au niveau du circuit vous allez voir donc ça paraît euh, monter euh, énormément comme ça mais la plus grande déclivité euh, que les coureurs Prendre, elle sera euh, de plus ou moins 55 mètres, donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc les coureurs partiront. On va avoir très vite le premier point chaud qui sera un sprint intermédiaire. Il se situe au kilomètre numéro 4, et puis on aura un deuxième sprint intermédiaire qui se situe au kilomètre 7.7. Alors c'est un circuit extrêmement roulant avec une série de trois courtes côtes qui vont s'enchaîner. Alors les trois courtes côtes euh, elles sont plutôt pour les, pour les punchers. Euh, donc il va, falloir, enfin, il va falloir que pour ceux qui vont vouloir prendre des points là et qui vont vouloir mettre de l'avance, ils vont devoir encaisser une succession d'efforts euh, très 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 courts euh, et ça va s'enchaîner vu que ça s'enchaîne en plus ou moins 4 km. La première côte elle fait 600 mètres, euh, 6% de moyenne. Il y aura des passages à 10%, donc faire très attention. Ensuite, ça va descendre immédiatement et on va remonter euh, directement. Euh, avec des très très forts pourcentages. Euh Heureusement, au début de cette petite côte, il y a moyen de prendre de l'élan, donc ce sera assez euh, sympa. On redescend et on attaque une troisième bosse qui mènera à l'arrivée. Attention, arrivée finale ne sera pas au sommet de cette bosse, il restera 400 mètres de faux plat avant de pouvoir passer la ligne. Alors ces bosses, on peut les voir. Premier point chaud, 4 km. Deuxième point chaud, 7,7 km. Ensuite, la première bosse, c'est l'Aibi Hill. Euh, elle compte pour le classement des GPM, comme vous le voyez sur l'image. Euh, grosse déclivité, puis une grosse descente, et puis ensuite c'est la 23e rue. C'est là que Peter Sagan avait attaqué et euh, ce sera 260 mètres à 10% de moyenne donc c'est pas très très grand, c'est pas très très long, mais il va falloir euh, être attentif, puis on va redescendre encore énormément et puis ce sera 600 mètres à 5,5%, ce sera la bosse de l'arrivée. Si mes souvenirs sont bons, c'est une bosse en pavé. J'ai peur de dire des bêtises, donc je vais faire attention, mais il me semble que c'est une bosse en pavé. Donc autant vous dire que euh, ça va piquer hein, cette, 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 cette ce début de course. Alors vous êtes le Rebonjour Tutur, comment tu vas Bienvenue à toi, je t'avais pas vu tout à l'heure. Euh, sur la roue crantée en bas à droite tu cliques puis est marqué qualité sur Twitch merci recule pour les infos salut Alex salut Clément la course commence à quelle heure la course commence à 19h55 donc 9 minutes avant le départ Laurentius a ce se que tu vas suivre pour nous, comparer la place de Normandie Cycling et Quentin. Euh, je peux le faire. Si ça, si ça vous branche, je peux le faire, bien sûr. Euh, après, j'aurai beaucoup de choses à gérer sur ce live. Mais euh, si j'ai l'occasion de le faire, pourquoi pas. Euh, donc voilà, Hall il y a des pavés et euh, la 23e rue, parce que je ne pas... Euh, après, vous allez me moquer de moi avec mon accent anglais. Clim euh, pavé, ok, il me semble bien. Donc euh, voilà, suis Maxime Cam, Tony Perriou aussi. Eh ben, merci pour vos infos, j'essaierai de, de, de suivre le maximum de personnes possible pour pouvoir regarder ce que ça donne mais vous savez qui on va aller voir? On va aller faire un petit coucou euh, à, à quelqu'un que vous connaissez très très bien. On va aller faire un petit coucou à Quentin. Alors il m'entend pas, hein, bien évidemment, mais il m'a dit écoute, je live. Je, je savais qu'il live. Il, il m'a dit si tu veux prendre quelques images, tu peux. Euh, donc Quentin, il est actuellement en train de, 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 se, de se préparer là. Il est en train de s'échauffer. C'est bien. Il est bien placé, il me semble, sur la ligne de départ. Euh, ça va envoyer du sévère. Hein. J'espère qu'il va avoir l'occasion euh, de faire une très belle place. Euh, J'espère qu'il euh, sera en forme. On va mettre un petit message. Sur le chat, bonne chance. <laughs> Voilà, bonne chance à tous. On va mettre un petit message. Euh, mais en tout cas, j'espère que Quentin va faire une belle place. J'espère que Cédric de Normandie Cycling fera une belle place aussi. Euh, et il y a un petit peu euh, une course dans la course là. J'ai l'impression entre les deux. Hein. Je ne sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais j'ai l'impression que sur cette euh, sur cette épreuve, ça, ça se jauge un petit peu. Hein. Alors c'est pas encore officiel. Enfin c'est officiel, mais ça n'a pas encore été dit. Mais il y a une course entre youtubeurs qui se prépare hein, autour de début mai. Peut-être que on va avoir un avant-goût hein, de, de de cette course. Hein. Je rappelle qu'en plus, il y aura moyen de parier totalement gratuitement, gratuitement et pour le fun euh, donc, euh, donc euh, ça va être sympa est ce que tu crois que des échappées peuvent se créer absolument pas enfin euh, oui on va avoir des groupes qui vont exploser mais ça va pas être des, des échappées ça va être des, des cassures par l'arrière donc, euh, donc voilà euh, tu euh, tu... oui ils sont en compétition ah, merci Laurent il me semble les bien on va, on va avoir un match dans le match là hein. on va avoir quelque chose d'assez euh, euh, bien à voir allez on va, on va quitter tout doucement euh, Quentin on l'a assez vu. Hein. On l'a vu. Je rappelle que donc il est en live. Et si vous voulez voir sa vue, vous pouvez évidemment aller euh, sur, euh, sur, euh, sur sa petite juju et, euh, et, et la voir en direct. Hop, attention, on va retourner donc, euh, sur la, la, la scène principale euh, de ce Zwift. Départ dans 7 minutes. Ça va envoyer du, du lourd. Hein. Euh, ça va envoyer du très, très, très lourd même. Euh, hop le chat, il a, ils le disent en ce moment, mais amicalement, bien sûr, oui, évidemment. Alors. Pour tout vous avouer, j'organise une course sur... Euh, ce ne sera pas sur Ziff, ce sera sur Bicool, parce que Bicool euh, nous, nous chérit. D'ailleurs, j'ai j'ai Bicool au téléphone demain. Euh, après plusieurs échanges de mails. On a reçu aujourd'hui nos codes d'activation euh, valables pour trois mois euh, pour tous les participants. Donc c'est des influenceurs, des, j'aime pas ce terme d'influenceur, mais ce sont des youtubeurs, des twitchers, des instagrammeurs. Après, à vous d'essayer de, de deviner hein, qui sera là, qui ne sera pas là, euh, etc. Donc il y aura une course, ça, ça se passera sur Be cool euh, Ce sera normalement, si tout va bien, commenté par euh, deux très bons, très, deux, deux excellents youtubers, euh, même deux ex excellents Twitchers. Euh, donc voilà. Bon, vous pouvez, vous avez deviné, hein, moi je serai là, évidemment. Euh, il y aura Quentin, il y aura, je, euh, il y aura Normandie Cycling, il y aura Jeune cyclisme Dynamique, mais il y en aura encore plein d'autres. Donc, euh, donc voilà, restez attentifs. La, la, la com est, est, est presque en place. On va bientôt avoir ça. Donc. Euh, donc ça arrive euh, extrêmement rapidement. Bienvenue à vous sur Facebook, bienvenue à vous sur euh, YouTube, bienvenue à vous sur Twitch. On oh, commence à être euh, un petit nombre hein, là. Hein bienvenue à tous. J'espère que euh, vous vous portez bien. Euh, J'espère que le confinement se passe bien également pour vous. Euh... Et nous, ben, on attend le départ maintenant. Plus que, plus que le départ, euh, j'espère qu'on va Enfin, je ne sais pas que j'espère, c'est que je suis sûr et certain qu'on va vivre une, une course excellente. Je vais aller checker un petit peu euh, quel coureur on a, on a au départ de, de, de cette course. Alors, on a euh, Romain Giraud de Bike FR. Il a un numéro de dossard. Alors par contre, il, il met du 10 watts par kilo euh, sur 20 minutes. Alors ça me semble un petit peu beaucoup, hein. euh, donc voilà. Donc on va pas en prendre compte euh, pour le moment. Ensuite on a on a on a qui on a, a Stéphane Bennett, un Anglais euh, qui lui pousse 6,2 watts par kilo. Le coureur de division Occitanie, il va falloir le surveiller. Ensuite on aura qui on a Alexis Guérin de l'Île-de-France, on a euh, Théo Degache de la Team Power, on a. Salut un... Alexandre. Oh là oh là oh là, j'ai pas entendu d'où ça venait. Je sais pas qui m'a parlé. Il faut que je retourne sur Discord. Euh, salut Damien, mais je ne vais pas pouvoir te parler euh, actuellement parce que euh, bah, du coup je suis en live. Mais bonjour à toi, bienvenue, hein. tu, tu, tu es tout à fait bienvenue sur ce live. Je ne sais pas si tu es aussi sur le live, mais, euh, mais salut. C'est le problème de, de, de ce salon, c'est que tout le monde peut rejoindre. Euh, c'est possible d'observer des amis qui sont dans la course si on lance juste... Oui, 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 Frucule, tu, tu peux les observer, mais pour les observer, tu as encore 5 minutes pour vite t'inscrire. Alors par contre, je vais devoir quitter le salon. Ah, c'est Hop voilà, c'est en train de me saouler un petit peu, là, je vous avoue. Euh, Discord, là, ça commence à me casser les pieds. Damien, ce n'est pas à toi que j'en ai. Tu n'en peux rien, mais voilà. Euh, donc, c'est possible, Frucule. Donc, tu dois te mettre sur la partie... Euh, donc, tu dois te mettre sur... Euh, comment on appelle ça Tu dois te mettre... Euh, imminemment euh, sur euh, la catégorie de ton pote sur Zwift euh, Compagnon, lancez Zwift et puis rejoindre l'événement et quand ce sera le départ, il faudra que tu cherches après ton ami euh, sur la droite. La team LDC, salut, comment tu vas Bienvenue sur ce live. Ah, ça va être excellent 4 minutes du départ. Oh, je suis chaud je suis chaud boulette les amis. Euh, je rappelle, est-ce que ça vous intéresse qu'on refasse un petit point-circuit ou alors est-ce que vous avez compris Oui, Zwift Compagnon Frucule, c'est euh, l'application mobile de Zwift. Euh, voilà, je je, je je peux pas, tu, tu l'as sur l'App Store et sur le, le Play Store. Euh, bon, maintenant, après, il, reste, il te reste 3 minutes 40, donc ça va peut-être compliqué de faire tout ça. Mais après, si tu me donnes le nom de ton ami, on pourra essayer de le trouver, même si c'est très compliqué, parce qu'il va y avoir énormément de monde aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, il fallait que je, je, je prenne un peu d'eau, j'ai vidé ma bouteille, c'est-à-dire que pendant l'heure de commentaires qui reste à, à faire, je vais, euh, je vais tout simplement crever, hein. je, je vais mourir, hein. donc voilà, et euh, bonjour à, alors on a, on a eu des, des abonnés hein, qui, se, qui sont arrivés depuis le dernier live, on, on va les accueillir maintenant parce que c'est important, donc on a Charak, Merci, Charak, euh, de t'être abonné. On a Chumpy, on a Golosk, on a d on a euh, Zonalvo Accessoria, on a Nameless Mirage, on a Kev, sûrement Kevin, on a Cédric de la chaîne Les euh, Salut Cédric de la chaîne Les On a Turpitude... Turpitudidem, on a Keldeo, on a le et on a Running Galic. Bienvenue à tous les amis. Euh, c'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue dans le peloton. Installez-vous comme il faut. Alors là, là, on parle de, de Twitch, évidemment. Euh, Dak, t'inquiète, j'avais juste oublié de cocher cours sur l'appli, j'avais que les entraînements. Ah forcément, forcément, c'est compliqué. Salut, bonne route. Merci Sébastien, mais moi je cours pas aujourd'hui, je fais que commenter euh, en mode commentateur aujourd'hui, comme tous les mardis sur la French Fusion Et on se retrouvera donc en mode commentateur euh, probablement euh, d'autres jours de la semaine. Après, bon, vu qu'il y a beaucoup de courses, je ne sais pas si je serai forcément disponible tout le temps, mais j'essaierai en tout cas de, de, de vous partager un maximum d'infos sur cette course. Donc voilà. Euh, mais si jamais, oui, Tony Perriou, champion de France du cyclocross, ah, ça doit être une sacrée machine, il va être à l'avant. Donc quand le groupe sera réduit, on va, on va très certainement le retrouver facilement. Donc, euh, donc voilà. Allez, 1048 on va euh, on, on y est, hein, on y est, hein, attention. Euh, ça va très très vite. Le temps est beau, le ciel est bleu sur Richmond. Le départ, c'est pour très très bientôt, alors je vais mettre le chat sur mon téléphone, parce que là je vous avoue que, 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 que... c'est voilà, pas facile à suivre, on va, on va le mettre là, Voilà, comme ça je peux voilà, mettre celui-là en, en cas de, de gros problème. Attention au départ, est-ce que vous avez la bonne scène Vous avez la bonne scène, c'est parfait, il reste 1 minute 15, euh, et on est parti Yo yo yo, salut à tous, bienvenue à tous les amis Combien sommes-nous Oh, il y a du monde, il y a du monde, bienvenue à tous, ça fait plaisir de voir autant de monde pour cette course. Euh, circuit, donc, euh, de Richmond, 32 km, deux tours, ça va être euh, un circuit, je vous l'annonce déjà, hein, ça va être euh, destruction massive, hein, destruction massive sur ce circuit. Euh, alors par contre, j'ai éteint le Discord, j'espère que, 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 voilà, bon, ils ont quitté le général, donc je vais me remettre comme ça. Hop, 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 Je suis déjà trempé. Donnez le départ. Ah oui, ça, c'est clair qu'il y en a, ils vont souffrir hein, maintenant. Le départ va être donné. Mes amis, euh, on va pouvoir commenter cette course ensemble, la vivre ensemble. J'espère que cela vous plaira. Bienvenue à tous. Bienvenue aux, euh, aux toutes les personnes qui sont là. Vous êtes nombreux. Hein. Vous êtes plus de 60. Euh, vous êtes une dizaine sur Facebook. Vous êtes une trentaine sur YouTube. Vous êtes une vingtaine sur Twitch. Bienvenue à tous. Euh, et on est, on est donc parti euh, pour, euh, pour cette première. Étape euh, des routes de Zwift. 10 secondes avant le départ. Aïe 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 Dites-moi qui est votre favori hein, pour cette première étape. Je rappelle un circuit plus ou moins plat avec des belles côtes. Re Benour, comment tu vas Allez, let's go. Attention au départ, c'est parti. Allez, on va essayer de se mettre sur quelqu'un euh, quelqu'un qu'on connaît, Sylvain Georges par exemple. Si bon, ça va tellement vite que j'arrive pas à, 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 à pécho Sylvain Georges, mais on va essayer de trouver quelqu'un qui a son nom habituellement à l'avant de la course. Parce que voilà, c'est plutôt sympa. Euh, alors, 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 qui okay, j'ai trouvé Ça va toujours Ah eh bah écoute, si ça va toujours, tant mieux euh, Hop, 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 on va se mettre. Bon, il y a tellement de coureurs pour le moment. Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi tu fais demi-tour, toi Faut pas faire... Ah, il y avait Bouchard il y avait Bouchard. Bon, écoutez, je trouve quelqu'un de stable. JB. Voilà, on va se mettre sur JB. Comme ça, on va voir s'il joue le sprint. Il y a Xavier aussi. Xavier Charon de, de la Team BAE à hein, mon équipe. Donc euh, donc voilà. Alors, on est parti euh, pour cette étape 32 km, deux tours de 16,3 km. Je rappelle qu'on aura de l'animation dès le euh, 4e km avec le sprint. Euh, le, tout simplement le sprint. Un hein, premier sprint de cette journée qui va nous donner déjà, euh, possiblement, un, un nom un nom pour, pour, pour le maillot du, 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 meilleur, du meilleur sprinter alors que j'ai perdu, euh, j ai, j ai perdu mon, mon sprinter. Où est passé mon sprinter Je ne sais pas, c'est pas grave. En tout cas, on est à l'avant de la course. Talabardon, ok, ton favori c'est Talabardon. Bah, je, je ne connais pas ce coureur, mais, euh, mais je suppose. Ah, MCAM, voilà, on m'avait dit de suivre MCAM, mais ça va tellement vite, ça change tellement vite, c'est impossible à suivre. C'est impossible à suivre. Euh, il est là, ok, j'ai réussi à l'avoir. Le coureur de chez BDO. Voilà, là on est avec les machines. Hein. Allez, donc animation dans 3 km avec le premier skim. Xavier va envoyer du pâté, je l'espère, Benoît, j'espère que qu'il va nous faire un bon classement. Euh, 1155 partant Ancien pro, merci Sébastien pour l'info. Euh, on va lui mettre un petit ride -on. Euh, Donc je rappelle, 4 kilomètre, premier sprint, euh, on aura déjà donc, euh, ok, il est proche chez euh, BNB Vital Concept, le concept merci pour l'info. Euh, ensuite, on aura un deuxième sprint au kilomètre 7,7 et puis euh, euh, nous aurons euh, un peu plus loin, euh, ce sera aux alentours du 12e kilomètre, euh, une bosse, le Liby Heil, 600 mètres, 6% de moyenne qui comptera pour le classement euh, du meilleur grimpeur. Et puis ensuite, la 23e rue, rue dans laquelle Peter Sagam avait attaqué pour aller chercher sa, son premier titre de champion du monde. Monde, euh, et puis on aura la bosse de l'arrivée qui fera euh, 600 mètres. Par contre, là je, 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 je vous assure que euh, je, 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 je suis en, en PLS, hein. je suis en PLS au niveau au niveau notification, ça saute de partout donc c'est c'est casse-bon. Bienvenue à tous. Euh, alors j'ai vu qu'il y avait des messages sur le chat. Ben lex tout à l'heure, tu demandé si tu pouvais modérer le chat de 5311. Oui, on a besoin de monde pour modérer, pas que le chat, mais pour modérer le Discord, le chat, etc. Vous êtes les bienvenus. Euh, on, on en reparlera tout à l'heure. Et alors Benoît qui dit Yannick Talbaron, ex-procureur sur. Sojasen dans les années 2012-2014 pour ton info Alex merci en 2012-2014 euh, bah je, moi j'étais je, je, encore euh, j'étais encore, euh, je, je, je faisais pas de vélo je crois, ou alors, en tout cas je commençais le vélo euh, allez premier sprint dans 1 km 700, autant vous dire qu'on va avoir du dégât euh, parce que là on est avec des mecs qui pour le moment poussent environ 6 watts par kilo et ils se retrouvent quand même proche de la centième position donc je vous dis pas à quelle vitesse euh, ça roule, c'est assez impressionnant, euh, merci Benjamin pour les infos, euh, c'est qui te, qui, qui te remercie et moi je te remercie aussi euh, parce que bah, c'est toujours euh, le DS hein. Benour il a, il a toujours la bonne info donc, euh, donc voilà alors on a euh, A leleu Alors soit c'est Audric leleu soit c'est Antoine leleu Alors c'est difficile parce qu'ils ont ses deux frères, mais ils ont tous les deux A le du coup vu que c'est un Audric, un Antoine. En tout cas, euh, peu importe si c'est Antoine ou Audric, Antoine euh, coureur élite belge, euh, très très fort, très 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 fort. Il court dans l'équipe euh, Dovikens, très bonne équipe belge. Et si c'est Audric, c'est un coureur de chez Wallonie Bruxelles Développement, donc euh, des sacrées machines. Euh, ça risque d'envoyer sévère. Hein, je ne sais pas celle qui est là, mais en Meilleur DS Benour, ah, c'est clair. C'est clair euh, Benour, c'est euh, the DS. Allez, est-ce qu'on a déjà une cassure là au peloton ou est-ce que c'est une impression parce qu'il y a tellement de monde que euh, que n'arrive pas à, 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 à mettre tout le monde. Je pense que que Zift est en PLS, hein, non Ou alors il euh, y a déjà un groupe. Bah, je crois que Zwift est en PLS. Hein. 400 watts de FTP. Jérémy Lefebvre. Qui c'est qui a t'as pris des pâtes de fruits pour Quentin et nous il <laughs> euh, y a aussi Romain Malbray ouais il y a pas mal de monde aujourd'hui yes les pâtes de fruits c'est important ah ouais il faut les donner à Quentin parce qu'autrement il va il va avoir du monde allez on est à 300 mètres du sprint regardez on va bientôt à, à avoir le, le sprint qui va se lancer pour euh, pour ceux qui n'ont qui pas spécialement euh, la possibilité de jouer euh, une victoire d'étape aujourd'hui et ben ils ont la possibilité de peut-être prendre des points pour euh, prendre euh, un possible maillot euh, vert donc euh, on va voir ce que ça donne. Attention, début du sprint dans, dans quelques secondes. On a ce, ce virage à épingle là euh, sur ce circuit de Richmond. Et, euh, et on va voir euh, le sprint. Et vous allez voir, ça va s'afficher sur la gauche là. Euh, vous allez avoir donc, un sprint donc, qui fait 220 mètres et on va avoir les, les, les mecs qui vont, euh, qui vont passer. Euh, le, LE, pas loin de 400 de FTP, oh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Quentin, il court aujourd'hui Oui, bien sûr, Quentin court aujourd'hui, il est en direct sur sa chaîne YouTube. Et voilà, on a on a le sprint qui est lancé, on va avoir des temps de passage, on va essayer de voir euh, qui a été le plus rapide. Pellegrin, pour le moment, division Occitanie, 12,54. Pour le moment, ça ne bouge pas, il semblerait que ce soit Pellegrin. Euh, il a pris euh, les premiers points actuellement. Euh, donc, euh, donc voilà, il y aura un deuxième sprint qui va arriver dans 3 km, donc ça va s'enchaîner extrêmement vite. Mais en tout cas, euh, actuellement, c'est Pellegrin qui a pris euh, le, euh, le, le meilleur, tout simplement, le, 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 le qui a été le plus rapide sur ce premier sprint, le coureur de chez Division Occitanie. Euh, donc c'est ouais, extrêmement vite. Il a, <laughs> il a pris les pattes de fruits, j'espère. Bah, j'espère aussi pour lui. Est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit tour euh, chez Quentin, voir, euh, voir quelle gueule il a hein On va aller voir un petit peu co comment il se passe. Je clique sur ma scène Quentin. Boum On est chez Quentin. Euh, oh je fume du crack merci il a pris un abonnement de niveau 1 c'est super gentil de ta part merci à toi je suis vraiment désolé pour toi parce que malheureusement aujourd'hui il euh, n'y a pas de il y a pas de de comment on appelle ça il n'y a pas de de données qui s'affiche à l'écran euh, et du coup je suis vraiment désolé c'est c'est pas une erreur de ma part c'est juste que je ne pouvais pas le mettre vu que je diffuse la frame-suffusion. mais en tout cas je tiens à te remercier énormément pour pour ton abonnement euh, Quentin est en train de souffrir hein. là clairement on, on peut le voir euh, on peut voir que Quentin là il est il est en PLS hein. là c'est la fin des haricots euh, mais il se débrouille plutôt pas mal hein il se débrouille plutôt pas mal il est mal ah bah c'est clair tu aurais pu vérifier euh, ah oui je voulais faire partie du peloton mais tu fais partie du peloton attends je vais je vais essayer de, de te le mettre quand même euh, je vais essayer de te le, de te le mettre. Boum, boum, boum. Est-ce que ça va fonctionner J'espère, j'espère, j'espère. Euh, mais, mais en prenant un abonnement, tu ne fais pas partie du peloton. Tu es même dans l'échappée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer de le remettre. Euh, boum. Non, comment je fais Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas. Ça ne m'a pas fonctionné. Oh Ah, oh, yeah, yeah. C'est bon, ça a fonctionné. Mais je fume du crack. Ou pourquoi j'ai pas ta notif Elle va arriver. Je suis sûr qu'elle va arriver. Mais en tout cas, euh, merci pour ton abonnement. Tu es mon premier abonné. C'est incroyable. Tu es mon premier abonné. Donc on peut envoyer plein de GG. Hein. Yes Bati, je vais me faire une perf à la pâte de fruits carrément dans l'échappée. Alors pour le moment, euh, on va vivre le deuxième sprint. Je rappelle euh, que c'est un coureur de chez Division Occitanie qui a pris euh, les devants, qui est pour le moment euh, maillot vert virtuel. Euh, et j'espère que la notification de l'abonnement de notre cher euh, Je fume du crack euh, va, va, va se lancer. Mais effectivement, je fume de crack, tu n'es pas un membre du peloton. Tu es un membre de l'échappée, oui, parce que les abonnés ici, euh, ils sont membres de l'échappée, euh, donc, euh, donc voilà, des membres de l'échappée. Et, euh, et je suis fier que tu sois mon premier membre de l'échappée. nous avons un coureur en tête, les amis. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et où est-ce que vous êtes, les autres On ne sait pas encore. Allez, recharge ton DI2 pour demain, rigolo. Oui, c'est vrai, hein, il ne faut pas oublier de recharger son, son DI2, Gabé. Euh, Gabé, on rappelle, le coureur qui peut mettre 53 ans dans l'Alpe du S, pas sur Zwift, hein. dans la réalité, il est... Euh, il est euh, il, il est, euh, il est à fond allez let's go euh, c'est bon je suis à 100% allez on va vivre ce deuxième sprint hein. ça arrive bientôt 500 mètres euh, on a pour le moment un euh, porteur euh, virtuel euh, du maillot vert c'est le coureur de chez Division Occitanie dont j'ai oublié le nom dont j'aurais dû le noter je, je ne l'ai pas fait désolé euh, mais en tout cas on a un peloton qui roule à vive allure vu qu'ils ont parcouru les 7 premiers kilomètres et demi en exactement 8 minutes et 21 secondes ça roule extrêmement vite sur euh sur cette étape. Euh, bienvenue à tous. Énormément de gens qui nous regardent aujourd'hui pour pour cette étape de la French Fusion. Je rappelle que le circuit donc euh, est un circuit euh, assez plat. Aujourd'hui, on se retrouve euh, sur euh, Richmond, circuit qui avait vu euh, Peter Sagan euh, avoir son premier sacre de champion du monde. Il avait attaqué, attaqué pardon dans la deuxième côte de ce circuit. On va le voir bientôt. Euh, et là, on est sur le déjà le sprint qui, qui est un peu plus long que l'autre hein, sur euh, Broad Street. Et c'est euh, encore une fois Pellegrin division Occitanie. Ah non, il avait été le rapide. Si il a été le plus rapide, il me semble. Il me semble que, que Pellegrin euh, conforte son maillot du meilleur sprinter, encore là-dessus. Euh, donc voilà. Bien, donc voilà, on va voir quelque chose d'assez incroyable. Juste le trailer pour l'instant, pas trop envie de cramer mon vélo. T'as raison, t'as raison. Mais donc, euh, ça a roulé extrêmement vite encore une fois euh, sur ce sprint. Alors maintenant, hein, je vous l'annonce, la prochaine fois, on va avoir du dégât parce que aux alentours du 12 douzième kilomètre, on aura le premier euh, meilleur grimpeur. Regardez, hein, sur ce circuit, oui, premier meilleur grimpeur, ce sera l'I.B. Hyde, 600 mètres à 6% en moyenne. Il compte pour le classement du meilleur grimpeur. Ensuite, on, on aura euh, la deuxième bosse, hein, le deuxième pic, le deuxième grimpeur, ce sera la 23 e Rue, lieu dans lequel euh, eh ben, tout simplement on avait vu une attaque de Peter Sagan qui avait donc gagné, euh, et ensuite euh, dans la bosse d'arrivée, ce sera aussi 600 mètres à 5,5%. Donc euh, c'est pas fini, hein. on va avoir du spectacle. Je rappelle qu'il y a deux tours, donc euh, on va vraiment avoir un beau spectacle. Je te souhaite que beaucoup d'autres cyclistes me rejoignent dans l'échappée. J'ai besoin d'être les gars, pour aller au bout. C'est vrai, c'est vrai. Euh, T'as raison, hein, je fume du crack. Euh, plus on est de fou dans l'échappée, plus on rit, et puis plus il y a de relais, et, euh, et plus euh, l'échappée euh, peut avancer. Jordan Sarrou est là, oui. oui. Oui, il y a du très beau monde. Euh, on a énormément de de, de, de bons coureurs, de, pro, de professionnels, des anciens professionnels, des coureurs élites. On a vraiment énormément de de, de monde hein, sur cette euh, sur cette course. Autant vous dire que ça va. envoyer sévère. Euh, Jordan Saro comme favori pour Benour. Ah, on verra, on verra. Parce que c'est particulier, Swift. Hein, hein, je te la prends pas Benour, mais euh, mais j'espère que que tu as raison. En tout cas, on va euh, bientôt arriver euh, dans euh, le premier euh, bah, GPM. Autant vous dire qu'on s'ennuie pas, hein, parce que euh, parce que euh, ben, on, a, on a déjà parcouru presque 10 km en plus ou moins 11 minutes euh, on a eu déjà deux sprints intermédiaires remportés par le coureur de division cyclitally qui va donc probablement partir demain avec le maillot vert de meilleur euh, sprinter euh, autant enfin ça c'est incroyable pour le moment euh, on a euh, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, du, du, du beau monde, on s'ennuie pas, ça roule partout, il y en a partout, 1155 partants au départ, il euh, n'y aura qu'un seul vainqueur. Euh, donc autant vous dire que, que, que ça flingue dans tous les dans tous les coins. On va, on va aller voir un petit peu où on est Quentin. Je vais regarder, je ne vais pas vous changer la scène. Mais Quentin, il se trouve autour de la 355e position et pour le moment il roule à 70 km h Donc euh, ça roule vraiment fort. Je ne suis pas déesse pour rien, ben, c'est clair, c'est clair, Benour. Euh, le mec, il sait tout, hein. il connaît tout du vélo. Vous pouvez vous poser une question, je ne sais pas. Qui le met au défi, posez-lui une question, il a la réponse. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Allez, plus que 2 km, même pas, hein, moins de 2 km maintenant pour euh, le pied. Enfin, même pas le pied, hein, en fait, le, 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 le sommet de cette bosse de 600 mètres, 600 mètres à 6%. Vous êtes prêts, on est parti, on est dedans. Let's go. Qui va pouvoir aller chercher euh, ben, des points pour le, le, le maillot du, du meilleur grimpeur? Merci Google, il nous dit, mais non, Benoît, je sais que tu sais tout. On le sait. Alors, 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 let's go. On va voir, c'est ici qu'on qu risque d'avoir des, des, des coureurs qui, qui vont pouvoir faire, euh, faire la différence. On a ici Kirchmer, on rappelle un hein, Kirchmer, très très bon coureur qui risque d'être dans les premiers. Pourquoi pas prendre un maillot jaune virtuel euh, sur cette première étape qu Quels pneus vous me conseillez Alors là, euh, pas Schwalbe, parce qu'ils ont des problèmes. Enfin, en tout cas, moi quand j'ai utilisé, ils avaient des problèmes, j'aurais n'en ai plus jamais utilisé. Mais euh, moi, je roule avec des Vittoria et je suis très satisfait après pour l'entraînement. T'achètes des pneus euh, chez des 4, ça fait tout à fait l'affaire. Les... Allez Oh là, regardez-moi ça, ce beau peloton. Regardez-moi ça ça va être sévère. Hein. Alors qu'on a un coureur de chez MCT, l'équipe de Normandie Cycling qui est là, et il y a un long commentaire. Je vais aller le, le lire euh, ici. Euh, je suis pas comme Patrice Gabet qui sauve le monde en trouvant le remède du Covid 19 en montant l'Alpe et en jouant à Warzone. Surtout qu'il ne fait pas que jouer à Warzone. Il est capable de jouer à Warzone euh, tout en faisant topin comme tu dis. Tu viens de le dire. Tu m'as devancé encore une fois. Le directeur sportif il, il devance. Hein, il devance tout le monde. Allez les coureurs qui vont euh, qui vont bientôt être euh, sur la côte. On va suivre ça avec euh, attention euh, parce que euh, on va avoir un maillot du meilleur grimpeur hein, qui va se jouer là-dessus alors que euh, devant ça roule ça roule très très fort les coureurs qui ont une vitesse moyenne euh, affolante hein, je sais pas exactement combien mais, euh, mais c'est plutôt affolant je vais aller voir sur Zwift Power euh, à combien de watts on tourne là hein, chez les premiers euh, Zwift Power est en PLS c'est normal ah non c'est bon euh, pour le moment on tourne autour de 6 watts au kilo de moyenne hein, chez les meilleurs impressionnant euh, des grosses machines des machines euh, affolantes mais c'est le numéro 1 sur Zwift en ce moment oui c'est vrai, c'est vrai, Kirchmer est numéro un mondial sur Gift en ce moment. Tout à fait, Maxence, tu fais bien de me le rappeler, j'ai vu ça hier. Il est effectivement numéro un mondial. Donc c'est vrai, on, euh, je, on devrait le répéter d'ailleurs. On a le numéro un mondial sur Gift ici sur cette course. Euh, il va très certainement jouer le, le classement final hein, sur cette course. Il risque de faire très très mal sur, sur le, 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 le compte-la-montre. Et, euh, et voilà, allez, c'est parti, on est dans ce quand même. 640 mètres, 6,4% de moyenne, euh, ça va envoyer du sévère. Il n'est pas dans la ligue vraiment. Maxence Genoudet, si si si, il est dans la ligue, il est dans la ligue, tout à fait. Alors qu'on a des attaques là. Hein. On a des attaques à l'avant. On a euh, le coureur de chez Vital Concept, euh, Maxime Cam, qui est en train d'attaquer. Allez, le virage, les pavés, c'est là que ça devient dur. Euh, faut le recruter chez Foudre. Ouais, il va, il va venir à la BAE. Je sais pas combien de, de, de milliers d'euros il faudrait pour le recruter, Kirchmer, mais en tout cas, euh, en tout cas, ça se fait la guerre. Allez, on a euh, des coureurs qui prennent les devants. Euh, sur cette côte, on a euh, Maxime Cam, Kirchmer. Alors, est-ce qu'ils se battent pour tenter d'échapper, Ce qui me semble un petit peu compliqué. Euh, ou est-ce qu'ils se battent pour aller chercher les points En tout cas, là, on a Kirchmer qui est en en train de faire l'effort je pense euh, honnêtement qu'on peut se le dire il est en train de viser le maillot euh, du meilleur grimpeur la kirchmer euh, imaginez s'il prend tous les maillots euh, est-ce que c'est lui qui a été le plus rapide je pense que oui c'est lui qui a été le plus rapide Kirchmer, on va avoir la donnée, 1 minute 05 pour faire les 640 mètres, et derrière c'est Souton, Guérin, Maurice, euh, C'est ouais, voilà. Alors pour le moment, euh, maillot à poids virtuel, d'ailleurs on peut le voir là à droite, euh, à côté de son nom, maillot à poids virtuel de cette euh, compétition, c'est euh, euh, Kirchmer, c'est mon voisin Maxime euh, Cam. Bah, purée, t'en as de la chance. Euh, food ne fait pas la ligue, attendez, il y a trop de commentaires, j'arrive pas à les suivre, donc je vais aller voir euh, maintenant qu'on a eu le spectacle, je vais aller lire les commentaires ici. Euh, il n'est pas dans la ligue. Food n'a pas euh, ne fait pas la ligne non plus, non, c'est vrai, c'est mon voisin Maxime, oui, pas pour la TFC, ce serait bien. Donc voilà, écoutez, on vit un spectacle assez, euh, assez sympathique là pour le moment euh, au niveau de... De cette, de cette compétition. Euh, on a donc un maillot euh, à poids virtuel actuellement. Et on a, a donc un maillot euh, vert virtuel. On peut dire que, euh, que cette montée, elle a fait du dégât. Hein. Il euh, y a une cassure là. Il y a une cassure. Regardez-moi ça. Il euh, y a une petite cassure aux alentours de la, de la 35 e place. Euh, et attention, on a un abonnement qui s'est. Enfin, on a, on a Bruno Delforge qui a rejoint le peloton sur Twitch. Bienvenue Bruno. Bienvenue à toi dans le peloton. Insta ah non, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, excuse-moi Bruno. Il est sur YouTube. Tu as rejoint le peloton. Bienvenue à toi. Et on est déjà dans la deuxième bosse là, oh là 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 là, là j'ai été distrait On est dans la 23e rue Et euh, qui c'est qui va prendre les points dans cette 23e rue Ah si c'est pas Kirchmer On risque d'avoir quelque chose d'assez ouvert pour le maillot à poids euh, Mais euh, qui a été le plus rapide C'est Campistrou, plus rapide Et Kirchmer 2 Donc il me semble que euh, ce sera euh, bel et bien Kirchmer avec un... Public en folie ici sur, euh, sur Zwift euh, avec un gros un gros Z, un gros Z supporter un gros Z. En tout cas, ça fait des dégâts. On a maintenant plus ou moins euh, 3-4 coureurs qui sont à l'avant de la course dans cette descente. Et, euh, et ça roule euh, extrêmement vite. Eh ben, la la bosse est arrivée tellement vite la deuxième. Euh, donc voilà. Yo Vinilo Vélo, comment tu vas Bienvenue à toi. Euh, j'ai pas suivi hier chez les Hyde ah, c'est passé quoi, j'ai pas suivi non plus, désolé. Euh, donc voilà, allez, regroupement général, euh, on est bientôt à la fin de ce premier tour, hein. il reste un kilomètre avant euh, d'arriver à la fin de ce premier tour, et on sera reparti pour un tour, un deuxième tour totalement affolant. Euh, pareil, je rappelle qu'il reste encore une côte, mais qui ne compte pas pour le meilleur grimpeur, et alors on me confirme que c'est Antoine Leleu, coureur de chez Dovy euh qui court et donc pas Audric, et Antoine Leleu euh, il vient de faire le troisième meilleur temps sur le KOM, euh, donc ça roule extrêmement vite. Il il est en forme. Euh, je pense qu'il va prendre des points. Donc euh, voilà, je pense qu'il va prendre des points. On vit quand même une course qui est quand même euh, assez incroyable hein, là. Allez, on est bientôt à la fin du tour. On va pouvoir euh, jauger hein, combien de temps ils ont mis pour faire les 16,2 euh, km. Alors regardez bien, cette, euh, ce trajet qu'on voit ici, ce sera euh, les derniers mètres, euh, ce, sera, ce seront les 600 derniers mètres euh, avant la ligne d'arrivée. Alors c'est euh, le KM, c'est 640 mètres à 6% de moyenne. Euh, ça ne compte pas pour le meilleur grimpeur, mais en tout cas, ça compte pour, euh, pour l'arrivée. Et au-dessus de cette bosse, il restera encore 400 mètres avant d'avoir l'arrivée. Euh, donc voilà. Pas grand chose, j'ai voulu partir sur le premier KOM et je me suis fait rattraper à 100 mètres de la bannière. Sur le final, j'ai fait le con en voulant en garder et je pars de trop loin. Dommage Maxence. Euh, mais bon. Et on est félici félicitations, on a reçu 100 messages aujourd'hui. Euh, tout stream confondu. Bienvenue à tous ceux qui nous re ont rejoints. Euh, nous sommes euh, presque 90. Hein. Euh, alors par contre là on a Kirchmer qui est euh, qui est tout seul. Que, que fait Kirchmer tout seul? On va aller voir derrière ce qui se passe. Euh, ça ne s'est pas relevé du tout, hein. les mecs poussent des, des watts à tout casser, mais on a euh, Kirchmer. Euh, Est-ce qu'il est au courant qu'il n'y a pas de y a pas de maillot là au-dessus? Parce que là il est quand même en train de faire un sacré effort. Euh, le, le coureur euh, autrichien, numéro un mondial pour le moment. Demande à Mathieu, c'est un ancien de Vérand classique le LE oui oui effectivement, ouais. C'est un ancien de, de Veron Classique, mais j'ai pas de nouvelles de Mathieu en ce moment. Euh, mais euh, depuis un moment. Mais donc voilà. Allez, Stéphane Kirchmer, je pense que c'est Stéphane, oui, c'est Stéphane. Euh, qui est euh, tout seul devant pour le moment avec Alexis Guérin un coureur de Ile-de-France derrière lui. On va essayer de voir les écarts sur cette vue. En tout cas, euh, Stéphane Kirchmer va passer la ligne euh, de ce premier tour en tête. Peut-être il se teste. Peut-être qu'il se teste euh, euh, le coureur autrichien numéro 1 mondial. Euh, avant l'arrivée. Donc regardez ici, c'est vicieux, hein, on le verra à l'arrivée. Euh, ouais, il attaque tout le monde. Il n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Mais vous allez voir, c'est vicieux parce qu'on vient d'avoir une sacrée côte quand même de, de 600 mètres. Et puis, on a 400 mètres. Là, c'est les 400 mètres qu'on vient de vivre. Où c'est un faux plat qui tourne entre 3 et 1%. Et on ne le dirait pas comme ça, mais c'est quelque chose qui est fatigant pour les organismes. En tout cas, Stéphane Kirchmer est en train de nous faire une échappée. Je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière. Je... non il va se faire reprendre et en tout cas Stéphane Kirchmer également qui a signé le meilleur temps, 18 minutes 52 pour parcourir les 16,2 kilomètres de ce premier tour, on est reparti pour la même distance maintenant euh, mais derrière, euh, derrière ça va rentrer ou ça rentre pas, ils ont 5 secondes de retard là, au niveau du peloton euh, moi je, je mettrais bien une petite piécette sur Kirchmer hein, quand même euh, bon là il va il va pas faire l'échapper hein. il se relève évidemment il a 240 watts comme vous vous le voyez euh, mais c'est vrai qu'il attaque en permanence c'est un coureur extrêmement euh, fort Voxy qui a rejoint le peloton sur YouTube salut Voxy comment vas-tu il est, il avait déjà rejoint le peloton euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur Twitch, et eh ben le vlà sur YouTube. Alors regardez, on va voir quelque chose qui est typique de, de Zwift ici. C'est tout simplement que Stéphane Kirchmer il va se mettre à l'arrière euh, parce qu'il va profiter du draft maintenant. Euh, donc il va devoir développer moins de watts que les mecs qui sont devant euh, pour pouvoir suivre. D'ailleurs, c'est bête, euh, on ne voit pas la pente avec le truc noir des, des routes de Zwift en haut à droite, c'est vrai Ah bah ben, écoutez, désolé, heureusement que vous me dites. Euh, je ne le savais pas. Eh ben écoutez, regardez, on va faire quelque chose. Euh, hop. Et hop, voilà, on est tranquille. On est tranquille. Comme ça, vous voyez tout l'écran. Euh, je l'ignorais. Merci pour ton commentaire, Ben. Euh, ça me permet de, de, de rectifier ça au moins comme ça. Vous voyez la pente. Euh, J'ai fait ça avant de, de démarrer ce live et j'avais pas remarqué euh, qu'on avait euh, ce petit problème. Allez, on est parti. Deuxième tour. Je rappelle qu'on va avoir un, un sprint intermédiaire qui va arriver très très vite. Euh, puis ensuite, on aura le deuxième. Enfin, vous avez vous l'avez vu lors de ce premier tour. On n'a pas le temps de se reposer sur ce circuit. Euh, donc euh, donc on va on va avoir du spectacle. De rien, Ben. Ça me fait plaisir euh, que ça te fasse plaisir. Je rappelle que donc on a Kirchmer euh, qui est virtuel maillot à poids, qui partira donc très certainement demain avec, euh, avec un maillot à poids sur les épaules. Et, euh, et on a un coureur de Division Occitanie, dont j'ai encore oublié le nom, mais je suis sûr que vous l'avez retenu sur le chat, qui a pris euh, le euh, maillot du meilleur sprinter, hein, vu qu'il a remporté les deux sprints. Donc voilà. Allez, c'est parti, on est dans ce faux plat ici. Faux plat qui va nous mener directement euh, vers le premier sprint. C'est beaucoup mieux. Euh, bah écoute, euh, si vous trouvez ça mieux, pas de problème. Merci Emmanuel pour ton commentaire. Allez, let's go. Ah, mais ça, ça, ça pique sévère. Hein. Regardez. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'arrière. Pas à l'arrière de ce groupe. Mais on va sauter sur le groupe de derrière. Il y a un groupe derrière qui est plus ou moins à 40 secondes. Euh, Est-ce qu'il y a des surprises dans, dans, dans ce groupe Ah, il y a Nicolas Dricot, hein, le belge, très très en forme. Euh, là on est avec des mecs qui, qui sont forts Et on a aussi euh, du coup Antoine Leleux Mais lui qui est dans un troisième groupe qui, qui pointe presque maintenant à une minute de retard En tout cas il y a des coureurs partout C'est très dur hein, de suivre les coureurs qui sont à l'arrière Étant donné qu'il y a 1155 coureurs. Donc, on va, on va pas trop chipoter. On va rester sur, euh, oh, sur les hommes de terre. Yeah. Oh yeah Giuseppe Zand, qui a rejoint le peloton. Bienvenue, Giuseppe. Installe-toi confortablement. Euh, je ne sais pas le quantième membre du peloton euh, tu es, mais vous commencez à être vraiment nombreux. Hein. Là, on, on approche les 400. Hein. Donc, euh, donc euh, merci, bienvenue à tous. J'avais dit si on est 100 au mois de, de mars, fin mars, ce sera pas mal. Et puis j'avais dit si on est 150 fin avril, ce sera pas mal. Et au final, on est presque 400. Donc bienvenue à tous. Euh, J'espère que ce petit live vous plaît. En tout cas, ça a l'air de vous plaire hein, entre parce qu'on est on est presque 80 tout live confondu. Euh, J'ai les chiffres exacts. Je peux les voir ici. Euh, vous êtes 50 sur YouTube, vous êtes un peu plus de 20 sur Twitch et vous êtes euh, 10 plus ou moins sur euh, Facebook. Bienvenue à tous. Alors je vais faire un petit point. Euh, Quentin, Quentin il est autour de la 555 e position. Il est un petit peu dans le là. Hein. Euh, Quentin, euh, il est, il, il est, il est vraiment malin. Hein. Et on a NCT qui gère beaucoup mieux la course que lui. NCT est à la 360 e position. Quentin est à la 560 e position. Il pousse 220 watts, ce qui, ce qui, ce qui est pas euh, ce qui est pas habituel hein, pour, euh, pour notre canton national euh, mais euh, mais voilà euh, c'est ça roule assez fort allez bientôt le sprint le l'épingle à cheveux hein, là bas au bout et puis ce sera le sprint un sacré peloton on a dit 500 fin avril eh ben, je compte sur vous pour partager je compte pour ceux qui ne sont pas abon abonnés à vous abonner sur Twitch et on sera 500 dans le peloton Twitch euh, je vous invite à, à, à le faire allez ok alors maintenant je vous explique, on va passer deuxième passage sur ce sprint, alors ça va permettre en fait, euh, on va avoir un deuxième sprint, sauf que les temps du sprint qu'on a fait avant et les temps du sprint qu'on va faire maintenant euh, vont, vont en fait comptent comme un seul sprint, donc c'est le plus rapide euh, des deux sprints euh, qui gagnera. Donc en fait ici ils ont en quelque sorte une deuxième chance euh, pour pouvoir euh, essayer de battre leur temps. Euh, le sprint est lancé en tout cas, Quentin il part toujours trop vite puis il explose ouais mais c'est pas facile à gérer jeu hein, parce que si tu pars pas vite tu peux te retrouver euh, coincé aussi allez c'est parti le sprint est en tout cas lancé on va voir si le temps va être amélioré ou pas euh on va voir ça euh, très rapidement. Il n'y a pas l'air. Hein. Je pense qu'ils ont fait le sprint sur la, le, la première épreuve et que maintenant ça sprint moins vite. C'est toujours Pellegrin euh, qui a euh, le meilleur temps. Euh, Est-ce qu'il est là le coureur là Pellegrin Est-ce qu'il est quelque part J'aimerais bien leur trouver le coureur de chez Division Occitanie. Euh, non, je le vois pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est toujours lui qui, est, qui, qui a pris. C'est lui. Voilà. On, on, je vais être plus clair. C'est lui qui officiellement a pris euh, le, euh, les points sur, euh, ce, euh, sur, euh, sur ce sprint. Il en reste un deuxième qui va arriver très très rapidement. Euh, vous allez voir ça, euh, mais il me semble que ça a quand même diminué l'allure hein, là. Il euh, y a 30, 30 coureurs là, à l'avant. C'est quand même pas mal. Hein. 30 coureurs euh, sur 1155. Ça veut dire qu'il y a eu un fameux écrémage, c'est parti extrêmement vite. Euh, et puis derrière, si on veut voir euh, un groupe, derrière, euh, derrière c'est quoi Ils sont maintenant à 3 minutes 30. Hein. Donc l'écart est vraiment affolant. Euh, c'est assez impressionnant. On a vraiment euh, des machines. Allez, on va se mettre sur le numéro un mondial, Kirchmer, euh, l'Autrichien, numéro un mondial de Zwift, qui probablement va gagner cette course. Euh et prendre le, le maillot jaune virtuel, en plus de probablement prendre le maillot à poids virtuel. Il euh, y a un mec qui s'appelle M Verstappen. Ouais, C'est peut-être le, le, le pilote. Hein. Euh, il s'ennuie. Il n'y a pas pour le moment de, de, de Formule 1. Il s'est dit Bon, allez, je vais me lancer euh, sur Gift. Tu pas envie de faire des chaussettes ou un autre truc du genre comme Quentin euh, Je vais te répondre, Théo. Je l'évite le, le commentaire de Sébastien. Je mettrai une pièce sur Campistrou, Division Occitanie. Eh ben, merci pour vos, vos, vos paris. Euh, C'est important. Hein. Dites-moi. Dites Dites-moi euh, euh, qui est votre favori Moi je, je, je dis euh, Kirchmer Je dis vainqueur aujourd'hui Kirchmer euh, Donc voilà Dites-moi quel est votre favori Tutur il dit euh, euh, quel crack ce Max Ah et Max Verstappen il est partout hein, euh, Il peut faire tout hein. Il peut tout faire euh, Il peut même faire euh, le meilleur pâtissier tout ce que vous voulez Il gagnera Il gagnera quand même euh, alors, euh, je te réponds pour les chaussettes, Théo. Alors, pourquoi pas de chaussettes, tout simplement, parce que c'est truc de Quentin. Par contre, moi, je bosse euh, pour le moment sur un projet euh, qui est en fait... Euh, moi, je, je, je crois fort aux énergies. Euh, je je crois pas en un dieu ou quoi que ce soit, mais je crois fort aux énergies, euh, au karma, aux, 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 etc. Donc, il y a des pièces, enfin des pièces, des, des pierres euh, avec lesquelles on peut faire des, des pièces euh, droites, dures, à accrocher derrière la selle. Euh, ça n'existe pas. Pas et j'ai envie de créer ça et en fait les différentes euh, pierres représentent un numéro et ce numéro est associé à, euh, à quelque chose qui est ch qui vous est cher donc par exemple ça pourrait être votre date d'anniversaire pour une pierre pour une autre pierre, ça pourrait être euh, votre euh, votre euh, la date de votre objectif, euh, ça pourrait être également euh, la date d'anniversaire d'un de vos proches, euh, etc. Et en gros, euh, en gros, c'est euh, c'est un petit euh, un petit porte-bonheur en fait qui serait plein d'énergie positive qu'on pourrait accrocher sur le vélo ou autour du poignet, soit en bracelet ou les deux. Hein. Il y en aurait en bracelet, il y en aurait accroché sur la derrière la 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 la. la... Euh, comment ça s'appelle derrière la la selle? Et en gros, c'est bien parce que c'est vous qui choisissez vos pierres en faisant un petit jeu avec des chiffres. Et puis, euh, ça coûterait pas extrêmement cher et ce serait sympa à, à suivre. Euh, donc voilà. Allez, euh, on a vu le, le deuxième sprint, mais il n'y a pas eu de changement. Il hein. n'y a pas eu de changement. Euh, donc, euh, on aura évidemment le coureur de division Occitanie euh, qui sera euh, maillot vert à la fin de cette étape. C'est Pellegrin, euh, ou Pellegrine, je ne sais pas comment on dit, qui sera maillot vert demain. C'est, On le sait. Donc voilà. Et pourquoi je veux faire euh, des trucs comme ça? Ben parce que tout, tout simplement, je trouve ça joli. Il euh, y a qui en prend en Alors, tu il y en a beaucoup. Il y a Clément Carisset, il y a Garel, il y a Benjamin Thomas, il y a, il euh, y en a énormément. Hein. C'est compliqué euh, de, de, de vous tous vous les donner maintenant. Il y a Morin, il euh, y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, difficile à dire comme ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je t'en ai déjà cité quelques-uns, c'est ceux qui sont dans le premier groupe. Allez, on se dirige droit vers l'arrivée maintenant. Euh, c'est parti goût vers l'arrivée. Euh, donc voilà, des, des petits bracelets pourquoi je veux faire des bracelets et pas des maillots ou des chaussettes euh, parce que tout simplement Quentin fait déjà des maillots, des chaussettes et c'est son truc et ils sont très beaux donc pourquoi j'en ferais euh, et puis ben, cette histoire de pierre c'est quelque chose que j'aime bien, ça me parle bien, c'est des énergies que j'aime bien, c'est positif, c'est différent c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans le vélo euh, et donc voilà euh, après euh, si ça plaît, ça plaît pas de toute façon euh, ben, je le fais pour que ça plaise et je crois vraiment aux énergies, moi je me suis fait du coup un bracelet comme ça, euh, un bracelet énergie pour mes objectifs et depuis que ce bracelet je vous assure qu'à chaque fois que je le regarde je suis hyper motivé et je me dis allez euh, je suis à fond je suis à 100% et, euh, et ça me motive à aller euh, m'entraîner etc donc euh, voilà voilà on peut faire cuire de la viande sur euh, sur tes pierres <laughs> Giuseppe bah oui pourquoi pas pourquoi pas euh... Ça, ça peut être sympa pour faire un petit barbecue. <laughs> c'est la météo est propice à un barbecue en tout cas ici. Allez c'est parti, on va vivre l'arrivée maintenant. Il reste 7 km, euh, Ça va être l'heure des KOM. Est-ce que le temps de Stéphane Kirschmer va être battu sur cette montée euh, On va voir tout de suite. Mais en tout cas, il est bien, bien, bien euh, parti pour pour nous envoyer du pâté. Hein. Là le, 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 le coureur euh, numéro 1 mondial. Carissé n'est pas pro. Ok, bah, désolé pour. Euh, pour je, désolé, désolé, je ne je, m'avais je pas l'info, euh, Benjamin. Merci pour, pour l'information. Euh, donc voilà. Alors je reçois des notifs, ce que vous entendez, c'est sur Facebook. Donc on, on va regarder les notifs directement. Euh, il fait des coucou, euh, Giuseppe. Coucou à toi, Giuseppe. Alors. Allez, on va vivre les montées très bientôt. C'est la descente actuellement. Il suffit que je dise que, d'ailleurs, on avait, on a vécu la première montée, il me semble. J'ai été distrait, mais il me semble qu'on a vécu la première montée. Euh, 16 plus 12. 26. Oui, on vient de vivre la première montée. J'ai pas vu, j'ai pas vu, hein. j'ai pas eu l'info. Ah bah ben mince. Allez, c'est Georges. Il va faire le prochain KOM. Eh ben, on va suivre ça avec. Euh, avec maintenant, je vais plus quitter mon, mon écran de contrôle. Est-ce qu'on peut installer juif juste pour regarder les coureurs et pas rouler euh, Oui, tu peux l'installer, mais je pense qu'il faudra que tu payes un abonnement quand même. Ou alors peut-être que tu peux l'installer euh, sans rouler. Du coup, ça ne décompte pas tes kilomètres. Il faudrait essayer, Théo. Honnêtement, je j'ai pas la réponse. Mais là, on va vivre euh, quelque chose d'assez impressionnant. On va... uh... A voir. Oh, yeah, yeah. C'est Jiraya33 qui a rejoint le peloton. Bienvenue à toi, Jiraya33. Okay. Euh... Bienvenue euh, dans le poteau Installe-toi confortablement. On va vivre euh, cette fin d'étape en direct. Ça va être assez incroyable. On va avoir des vitesses euh, bluffantes. Stéphane Kirchmer, numéro un mondial, qui euh, a, a qui est pour le moment euh, maillot à poids virtuel. Il s'est replacé à l'avant du du groupe. Ça va envoyer du lourd hein, maintenant. Ils n'ont pas passé la première montée. Ok, autant pour moi. Merci Clément pour l'information. Il reste encore les deux boss parfait, Donc il nous reste en réalité trois boss. Euh, je rappelle qu'il y aura des pavés hein, dans le haut de la première boss et euh, c'est Stéphane Kirchmer, pour le moment, qui a le, le, le temps le plus rapide, ce qui lui permet d'être pour le moment euh, maillot à poids virtuel. Je rappelle que sur cette épreuve, les coureurs recevront euh, à la fin de cette semaine de compétition, vu qu'il y, euh, y a six étapes, il y en a une par jour jusqu'à dimanche. Je rappelle que les coureurs recevront euh, le maillot, le vrai maillot euh, distinctif qu'ils auront gagné. Donc le maillot jaune aura le maillot jaune, le maillot vert aura le maillot vert, le maillot à poids, aura évidemment, le maillot à poids. Je... Donc euh, vous avez compris, il y aura peut-être bien un maillot blanc également. Après... Après, tu as 25 km gratuit au début, ouais, exactement. Donc ça peut, ça peut peut-être passer. Sylvain Georges, bien placé, exactement. Kirchmer, bien placé. Euh, Sylvain Georges, bien placé. Garel, bien placé. Martin, bien placé. On a qui d'autre? Euh, Thomas de chez Otakam, Benjamin Thomas, bien placé. C'est Benjamin, hein, je pense. Oh là je dis de la merde, je connais pas du tout les pros, je connais pas du tout les professionnels français. Euh, Excusez-moi, hein. je, je, je suis désolé. Hein. Donc euh, si je dis des bêtises, euh, euh, arrêtez-moi tout de suite. Viennet également, bien placé. Allez, regardez maintenant, on a, on n'a pas, on peut pas appeler ça un round d'observation. Parce que, à la vitesse où ça, où ça roule, hein, vu les watts qu'ils sont en train de développer, parce que c'est quand même en train de développer euh, 300 watts, hein, les mecs poussent du 4 watts par kilo, euh, ça roule à 50 km/h, c'est pas un round d'observation. Mais on va rentrer dans une phase où il reste 4 km, où ils vont commencer tout doucement à se regarder les uns les autres, et où on va vivre quelque chose d'assez incroyable. Parce que, sur cette côte, la première côte, à mon avis, on va voir quelque chose euh, d'impressionnant, des démarrages au pied de la côte, attention de ne pas foncer dans le piqué, ça y est, ils ont foncé dans le piqué. Bon, les bugs de Swift hein, évidemment, euh, ils sont très, Très bien placé. C'est bien Benjamin Thomas. Heureusement, je n'ai pas dit de bêtises. Mais donc, euh, ça y est, on est dans les faibles pourcentages. Euh, premier KOM, on est sur, euh, sur cette côte qui va oh, faire euh, des dégâts. Yeah. Oh yeah, on a un nouveau membre du peloton. C'est Mathias. Bienvenue Mathias. Euh, tu es euh, un nouveau membre du peloton. Installe-toi correctement sur ta selle. Euh, pas besoin de pédaler aujourd'hui. On regarde les autres souffrir. Allez, c'est parti. Euh, on est dans les faux plats montants, faux plats descendants, à l'approche de ce premier GPM. C'est le troisième. Il y a Max Verstappen. Je suis pas sûr que ce soit Max Verstappen euh, réellement. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui s'appelle Mathieu Verstappen, peut-être. Euh, je n'en sais rien. Ou c'est peut-être quelqu'un qui fait le blague, mais. Bon, peut-être qu'il est très très fort physiquement, parce que pour être pilote de Formule 1, il faut vraiment être très très fort, mais je ne suis pas sûr qu'il soit euh, qu'il soit euh, qu'il qu soit comme ça euh, aussi fort à vélo. Monsieur Tips qui a rejoint le peloton sur YouTube. Bienvenue à toi Monsieur Tips. Oui, il roule avec ses fins. <laughs> en fait, il a mis la Formule 1 sur le, le 3 rouleau. Il est en train de pédaler. Allez, c'est parti On est euh, sur ce KOM. C'est Kirchmer hein, qui avait euh, pour euh, presque deux secondes euh, remporté euh, ce, ce KOM. Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller plus vite que lui sur cette montée En tout cas. Euh, c'est la question qu'on peut se demander. À l'avant, on a Clément Carissier euh, qui est en train de, euh, de prendre les devants, tout simplement. Il pousse du 6,3 watts par kilo, mais il va être repris. Virage, pavé. Et puis ensuite, euh, on va aller vers l'arche. De euh, ce euh, KOM, ça va être euh, ça va être maintenant. Hein. Donc le maillot vert, on sait bien que c'est le coureur de division Occitanie qui l'aura. Euh, le maillot à, à poids du meilleur grimpeur, ça va se décider dans cette bosse et puis dans la bosse suivante qui va arriver très très vite. Pour le moment, c'est Kirchner qui a signé le meilleur temps. On arrive bientôt au dessus, très très vite, on arrive au dessus. Alors qui sait qui va aller euh, s'imposer On se on se pose la question. On peut faire cuire de la viande sur tes pierres Ah ça peut-être. Hein. Va falloir que tu me briefes pour rejoindre le peloton sur Twitch. Euh, allez, c'est qui qui va prendre les points C'est Kirchmer. Hein. Kirchmer, il a battu son propre temps, euh, je pense. Euh, ça va, en tout cas, très très vite. Ah non, on a Page. Page, je ne sais, je sais pas comment on va l'appeler, mais je ne sais pas s'il si a de dossard sur juif Power, mais en tout cas, ce sera Page au Kirchmer qui prendra le, le maillot. Alors, pour euh, venir sur Twitch, euh, Giuseppe, il faut tout simplement aller sur, euh, sur mon Twitch, donc tu tapes t, -W -I -T -C -H sur ta barre Google, il y a un site internet sur lequel il y a une barre de recherche, sur lequel tu peux taper tout simplement euh, Alexandre Marley Cyclisme, et tu appuies sur euh, t'abonner, et donc du coup, voilà, Hugo Page, euh, ouais, Hugo Page, exactement, euh, il, a, euh, il, a pris, euh, il a pris le, 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 le maillot, euh, euh, pour le moment. Et là, euh, on a, on a, on a, on a. Euh... Ouais, mais je l'ai prononcé à l'anglais. Page, tu vois. Alors, alors je pensais qu'il était anglais ou américain, mais non, c'est Page. T'as raison. Euh, autant pour moi. Excusez-moi, les amis. On est déjà dans le deuxième quand même, en tout cas. La descente est déjà passée. C'est Campistrou hein, qui avait pris les points sur ce sur ce quand euh, même. Donc un pro de la Conti, FDJ. Et eh ben voilà, c'est bon à savoir. Allez, c'est parti. Encore des pavés. C'est là-dessus. Hein, que Peter Sagan avait attaqué pour aller chercher son, son maillot de, de champion du monde en 2015. Allez, on est bientôt au-dessus. Qui va aller chercher des points Et en tout cas, euh, en tout cas, si c'est encore une fois, euh, on a Page hein, pour le premier, euh, le premier euh, passage. Qui va-t-on avoir pour le deuxième passage Est-ce que c'est toujours Campristou Non, Clément. Ah, c'est lequel J'ai pas, j'ai pas le nom complet. Clément, 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 Clément Car, Clément, Clément Carissé. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, euh, on a donc Page pour le premier quand même carissé pour le deuxième grand prix de la montagne. Donc ils seront à égalité de points, je pense, demain. Tu as du monde là qui regarde, c'est top. Alex continue le bon boulot. Merci Benjamin, je sais pas du tout combien de monde euh, regarde, j'en je, ai fait abstraction, je vous avoue. Je vais aller checker ça. Exactement, ah oui, il y a énormément de monde. Bienvenue à tous. Allez, on va vivre l'arrivée ensemble. Euh, ouh, attention, attention, c'est euh, Antoine Leleu, euh, pour finir, qui, qui a été le plus rapide. Eh ben, il semblerait que ce soit Antoine Leleu, euh, coureur euh, dans la vraie vie, mais je pense qu'il participe pas il participe pas à, à la ligue. Ah c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir euh, prendre une bonne option pour avoir un beau maillot chez lui. Allez, on va vivre euh, bientôt le sprint final. Je rappelle que le sprint final Ici, on va avoir une sacrée montée, hein, une montée de 400 mètres, 6% moyenne, et puis ce sera pas fini, il y aura un faux plat de 400 mètres qui euh, nous donnera euh, un très beau vainqueur, hein, j'en suis sûr, en tout cas ça a roulé extrêmement vite. Hein, les coureurs ont parti, parcouru 32 km en 37 minutes et 20 secondes. Donc c est, c est, c est, ça va très très vite. On est 87 sur YouTube et bienvenue à tous. Euh, je vous invite à vous abonner. Hein, si c'est pas fait, vous aurez une petite notif avec une petite musique euh, qui se mettra. Et donc euh, ça, 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 ça scellera votre sort. Hein, vous serez euh, membre du peloton. Vous, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner comme ça vous ne la louperez pas les autres lives euh, qui se dérouleront ah ben on se retrouvera déjà demain 18h hein, en réalité et, euh, et donc voilà allez c'est parti on va vivre le sprint ensemble allez on est dans la dernière bosse qui ne compte pas pour un grand prix de la montagne euh, mais euh, qui est tout simplement difficile et c'est là-dedans qu'on risque d'avoir quelque chose qui va, se, euh, qui va se jouer en tout cas euh, les ténors sont là vont se faire euh, la guerre est ce que le bug est toujours là normalement non normalement le bug est réglé euh, j'avais effectivement vu que il y avait un bug. Moi, mon favori, c'est Kirchmer. Je pense que c'est lui qui va gagner. Donc, je suis euh, Stéphane Kirchmer. C'est parti. En tout cas, on a Viennet pour le moment. Et Kirchmer en tête du peloton. Le bug n'est pas parti. Comment ça se fait Parce que moi, il, il me dit que c'est bon, là, le bug. Moi, tout va bien. Pas nous. Ah bah ben, écoutez, je... C'est étrange. Pourquoi ça bug Ok, ça rebug. Effectivement. Effectivement, ça rebug. Je... je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est chiant. Juste à l'arrivée. C'est embêtant, mais écoutez, je... non, il y a plus de bug, il y a plus de bug, Ok, parfait. Alors, je continue sur ma lancée. Euh, on va vivre un sprint euh, assez euh, palpitant ici. Pour le moment, c'est Pluinec qui est en tête. On va regarder sur sur la vue euh, la, la vue de haut. Pluinec en tête. Ouais, on... Pluinec, Pluinec, Pluinec. Garel, jean eude Demarais, qui... Ah, c'est jean eude Demarais qui 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 va aller s'imposer, je pense. Je pense que c'est effectivement Joël de qui va aller s'imposer. Sauf si, à Garel. Garel qui de haut à cam, le corps professionnel, qui est passé devant. Et ça va être une victoire de Garel. Félicitations. Attention. Alors là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut être attentif pour retourner bien en arrière. Parce que autrement, on va être déconnecté de la course. Alors, je sais que c'est chiant. Voilà, c'est comme ça. On va essayer d'aller voir. Euh... Ah ben alors voilà. On a Antoine Leleu. Hein. Antoine Leleu qui ne participe pas à la ligue, je pense, euh... mais euh... mais qui va en tout cas, euh... mais qui va en tout cas avoir, hein... qui aurait eu le maillot en tout cas demain pour partir. Il ne l'aura pas, je pense, parce qu'il n'a pas de dossard. Euh... Est-ce Moniquet Est-ce que ce serait pas Sylvain Moniquet Peut-être. Sylvain Moniquet, coureur professionnel de, de la FDJ. Je pense que ça doit être lui, hein. Avec Bouchard, à mon avis, ils l'ont fait ensemble. Eh bien, écoutez, on a vu une course assez euh, assez euh, assez palpitante là. Alors attendez, on va essayer de trouver Quentin qui doit être autour de la Attendez, je vais aller voir sur son YouTube, où est-il Il est autour de la 600e position. Oh oui. Oh, yeah C'est Castor Pollux qui nous a rejoint. Bienvenue Castor Pollux. Assieds-toi comme il faut sur ta selle. On est parti. Alors, je vais lire le chat parce que il euh, y a tellement de, 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 de messages que j'ai pas su suivre. Euh, Verstappen a mis le capteur de cadence sur les roues de la F1 donc il pousse la F1 au max devrait faire une attaque de malade. Euh, bug, 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 je suis désolé pour le petit bug, mais j'espère que vous avez pu suivre l'arrivée sans problème. Toujours là pour faire des blagues, Ben. <laughs> Verstappen, ça j'ai lu. Quentin 560 e oui. On va essayer d'aller voir où il est. On va, on va reculer. Euh, pour aller voir où il en est. Alors normalement, on devait, euh, je devais faire le live avec, euh, avec Alexis et Nicolas de la Frenchy Fusion. Euh, mais j'ai pas pu, euh, pas pu euh, faire, euh, faire le live avec eux, tout simplement parce que il euh, y a eu un bug. Il y a eu tout simplement un bug. C'est pas grave, euh, ça arrive. On va aller voir où on est. Ah Ah non, j'ai cru voir Normandie avec Team, mais effectivement, c'est quelqu'un de son équipe. Mais ce. Oh, j'ai été beaucoup trop loin là. Oh là. là, là. Quentin, il n'est pas là-bas. Ça c'est sûr et certain. Il n'est pas autour de la 900 e position. Il est autour de la 570e position. Là, on a JB 851 e Il va terminer tranquillement là avec un beau petit groupe. Euh, mais moi je, je, je cherche je cherche effectivement euh, notre Quentin national. Où es-tu, Quentin Quentin, je ne te trouve pas. Bon, si quelqu'un le voit, il est autour de la 560e place. Maintenant, le problème, c'est que là, je suis avec tous les C qui ont un tour de retard, je pense. Ceux qui ne mettent pas. Oh là là, je suis loin. On veut voir où est Xavier Ah, c'est vrai où est Xavier Bah écoutez, on va remonter. J'espère qu'on va tomber dessus à un moment. C'est vrai ça Où est-ce qu'il est, -ce qu est donc, Xavier Xavier, coureur de la BAE, représentant de la BAE. Ah, il y a Céric aussi. Regardez ici. Ah, où est-ce qu'il est C'est -ce qu Eric, où est-ce que tu es Bah, je l'ai perdu. Mais en tout cas, c'est Eric il, il Twitch. Il Twitch également. Allez, on va remonter tout doucement. Je vais aller voir aussi parce qu'il y a eu des commentaires sur YouTube. Euh, attaque de Pierre Roland. <laughs> Giuseppe. Ouais, effectivement, il y a eu, il y a eu des attaques. Là, on a, vu, on a vu du spectacle, on a eu du show. Bon, où est-ce qu'il est, notre Quentin, là Parce que là, il, on remonte petit à petit. C'est Eric qui l'envoie. Ah, c'est clair, hein. il est en forme. Très en forme, là, notre Eric, notre, notre Twitcher d'une renommée internationale. Allez hop, on se rapproche de Quentin, là j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on se rapproche tout doucement de Quentin. Il doit être dans ce groupe. Non, où est-il Il n'est pas genre à la 560e position J'ai loupé un épisode ou 563 ah, on l'a trouvé. On l'a trouvé Quentin. Allez, on va vivre la course avec lui. Euh, je vais aller voir. Euh, non, ça va être compliqué à voir maintenant. Mais à mon avis, il fait plutôt une bonne course. Allez, il est dans, dans le dernier km. Euh, notre Quentin. Salut Stéphane May. Steph, comment tu vas? Je appelé, j'ai fait un mix, un mix entre ton nom, ton prénom et ton pseudo. Excuse-moi. Et encore, il n'est pas renommé comme Pacha. <laughs> Mais Pacha, il a sa renommée maintenant parce que, euh, parce que depuis qu'il chute, depuis que Pacha chute euh, sur, euh, en direct, hein, c'est ça qui fait ses vues. Hein, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Allez, on va suivre Quentin. Alors autant vous dire qu'il est à bloc. Hein, là, Quentin, ça monte très très fort. Euh, vous êtes toujours plus de 100 à hein. me suivre, c'est incroyable, merci à tous. Euh, en tout cas, il avait monté cette bosse en 46 secondes. La première fois, il vient de battre son record vu qu'il il l'a monté maintenant en 45 secondes. Et il me semble que la course dans la course entre Normandie Cycling et Quentin Ruel, eh ben, il semblerait que ce soit Cédric de Normandie Cycling qui ait pris les devants. Euh, donc voilà. Euh, il stream en anglais. Euh, qui ça qui stream en anglais Pacha ou, euh, ou c'est Eric Ah, c'est possible que c'est Eric qui stream en anglais. Ça me fait rire les mecs qui poussent 4 watts-kilo en catégorie D. Ouais, ça, c'est vrai que... Bon, après, tu peux avoir un pic dans une montée à 4 watts par kilo. Mais euh, bon, euh, effectivement, tu peux pas pousser ces watts-là euh, euh, ben, autrement. Alors que là, on a Quentin qui utilise et très très bien le draft. 195, 195 battements par minute. Pour Quentin, il est mort. Exactement, le cycliste Charentin, là, on a, on a Quentin qui, qui est mort. Mais, euh, mais il va aller au bout. Euh, et puis après... Là, il fait, 565... fait 564ème, mais il faut bien penser qu'après, on va enlever tous les mecs qui ne sont pas sur Juif Pauber, puis on va enlever tous les mecs qui n'ont pas de sars, et puis, à la fin de la semaine, il faudra enlever euh, tous les mecs qui euh, n'auront pas euh, fait toutes les étapes donc voilà, donc, euh, y il, fasse, euh, un euh, il y a moyen qu'il fasse un top 100 Pachal il va en anglais il est devenu famous, sérieux ben, je savais pas mais en tout cas c'est cool sur toute une course je veux dire heureusement qu'il y a Ziv Power pour réguler ah c'est clair, fricule, heureusement qu'il que y a, qu a Ziv Power et heureusement que sur cette épreuve il euh, y a un système de dossard où c'est très surveillé, Quentin qui arrive tout doucement euh, à la fin de cette course, après bon, on se quittera tout doucement euh, donc voilà, Quentin il porte le maillot foudre euh, ah bon Non 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 non, c'est euh, Bernon Pereira derrière qui porte le maillot euh, foudre. Euh, Quentin il, il, il porte le maillot avec le B, regarde. Parce que regarde tu vois il, il porte ce maillot là. Donc voilà. Mais euh, mais en tout cas on va essayer de suivre toutes ces épreuves ensemble, voir où on en est. Moi, je fais pas ces courses parce que c'est trop long. Et puis surtout, hein, je rappelle, hein, je profite qu'il y ait du monde. Hein, je rappelle que le 4 mai, il y aura une course sur, euh, sur euh, comment ça s'appelle, sur euh, Be cool entre tous les euh, Twitchers, streamers, euh, YouTubeurs, euh, Instagrameurs du milieu cyclisme, triathlon, etc. Il va y avoir du beau monde. Et alors, c'est ça que ce match, dans le match entre le Normandie Cycling et Quentin Ruel, euh, c'était important parce que peut-être ça nous donne des informations. Euh, sur qui est en forme et qui n'est pas en forme et puis il faudra prendre en compte aussi que vu que c'est le 4 mai et euh, eh ben quentin et euh, non c'est pas le 3 mai euh, attends peut-être que je dis des bêtises si c'est le 3 mai excusez moi c'est le 3 mai dimanche 3 mai à la base c'était censé être le dimanche euh, 26 mai euh, 26 avril mais euh, bikou nous a demandé de changer la date bien gentiment parce que déjà ils font beaucoup pour nous et euh, tout simplement ils ont un autre événement ce, ce jour là donc voilà donc ce sera bien le 3 mai euh, NCT vient de finir, eh ben, GG à Cédric, euh, il, il va finir quelques minutes devant Quentin. En tout cas, ça nous donne une indication pour la course des youtubeurs. c'est que, même si ce sera très différent parce que Bicool, c'est pas Zwift, c'est pas la même façon de courir, euh, mais en tout cas, ça nous donne une indication. Pour le moment, aujourd'hui, Normandie Cycling a frappé un grand coup. Euh, Qu'en est-il de la forme des autres participants on n'en sait encore rien, mais il faudra bien penser que euh, pour Quentin et pour Normandie Cycling qui vont faire enfin, cette semaine six étapes euh, très violentes, euh, ils seront peut-être un peu cramés, hein. moi je compte là-dessus, hein. j'espère qu'ils seront un peu cramés, comme ça ça me laissera une chance pour aller chercher la victoire. il Faudra faire attention aussi à jeune cycliste d'Amic. Mais moi je vous le dis, moi je, je vais là pour gagner. Euh, donc voilà. C'est qui qui est en tête Alors le vainqueur, <laughs> c'est un coureur professionnel, donc j'ai oublié le nom. Euh, mais on va, on va te donner le nom tout de suite parce que Benour, le directeur sportif, hein, c'est Radio Tour, il a toutes les infos, donc il va nous la donner. Euh, mais autrement, euh, la course est finie. Hein. Là, On est retourné à l'arrière, mais la course est finie depuis euh, bien 5-6 minutes. Euh, mais en tout cas, euh, on va voir la réponse. Aaron Newman et Running Addict seront là Eh bien, euh, peut-être, peut-être. Euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est Adrien Garel le vainqueur. Voilà, c'est bien ça. Merci Louis pour, pour l'information. On va vivre l'arrivée de Quentin en direct. C'est le plus costaud des youtubeurs. Euh, qui ça euh, vous pensez vraiment que les triathlètes, là, ils vont venir nous battre Je pense pas. Hein. <laughs> euh, non mais bien sûr, euh, évidemment, tout ça est à prendre avec humour. Mais, euh, mais ce sera un bel événement. Donc voilà, euh, donc voilà Bastien, j'espère que tu as, as eu ta réponse. Euh, et euh, voilà. Essayez de les inviter. Non mais ne vous inquiétez pas, ils sont déjà bel et bien là. Ils participeront. Euh, donc euh, pour le moment, il y a Gilou, il y a Styros, il y a Jeune amis il y a Normandie Cycling Team, il y a Iron Human il y a... Euh, il y a Running Addict, euh, pff, il y en a énormément. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, donc voilà, donc il y a énormément de monde euh, et il y aura encore d'autres surprises. Mais vous inquiétez pas, à mon avis, on va communiquer là-dessus demain après l'appel avec Bicool. Donc euh, voilà. Et, il... Et ils sont super costauds, les triathlètes. Ah, je dis pas, hein, ils sont peut-être super costauds, mais est-ce qu'ils seront assez costauds pour venir battre quand même des cyclistes euh, aguerris euh, Moi, je mets une pièce sur Iron Human. Eh ben, Thibaut, tu as bien raison, parce qu'il y aura un système de paris sportifs euh, totalement gratuit. Euh, donc, euh, donc, voilà, ce système de paris sportifs totalement gratuit, euh, ben, vous pourrez euh, tout simplement euh, eh ben, mettre votre favori et on verra tout ça euh, en direct. Euh, Quentin, là, il, il, il a livré direct. Hein. Quentin, il a dit, euh, je m'arrête. Euh, il a quitté directement le jeu. Euh, non, pas le jeu, mais il a coupé directement. Je comprends, après, c'est très violent. Euh, donc voilà. Euh, il y a passion Non, Cyclopation ne sera pas là. Euh, donc voilà. Les Watts, je viens de voir sa chaîne. C'est de qualité. Il sera là. Les Watts sera là. Effectivement, Cédric de la chaîne Les watts sera là. On l'a invité parce que euh, honnêtement, je suis un grand fan de ce gars. Il fait un travail vraiment excellent. Et euh, du coup, euh, même s'il est nouveau, il a, même en étant nouveau sur YouTube, euh, il fait un contenu incroyable. C'est quelqu'un de super. Euh, il a pris beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Il va, il va vraiment très très vite monter. Et, euh, et donc j'ai beaucoup de... Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de... Comment on appelle ça Enfin, je suis... Ce mec me, me passionne. J'adore ses vidéos. Et donc, euh, bah, vu que j'organise. Je me suis dit on va l'inviter, je l'ai invité. Super initiative de votre part de faire cette course, les gars. Bah oui, j'avais envie de faire ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai contacté euh, toutes les plateformes pour faire une, une course. Et voilà. Donc aujourd'hui, je leur ai donné leur, 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 leur code. Et demain, euh, j'ai Bicool au téléphone pour, 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 pour terminer tout ça. Parce que Bicool travaille avec nous. Cool en effet, son contenu est top, c'est cool pour lui. Et bravo à toi. Mais merci Chocho, et c'est vrai que son, son contenu est vraiment bien. Mais donc du coup, demain, j'ai Bicool au téléphone euh, pour régler les dernières choses sur le circuit. Donc c'est-à-dire... Euh, belle course Alex, j'ai fait un live aussi de cette course si ça intéresse des gens. Eh ben si vous, oh, euh, si vous voulez aller yeah. voir le live de Louis, vous pouvez aller, aller voir. Euh... Salut Martin, bienvenue dans le peloton, installe-toi comme il faut. Cyclopassion, il est marrant mais il n'a pas d'entraîneur connecté, etc. C'est un cyclotouriste quoi. Euh ouais bah écoute moi j'ai eu quelques problèmes avec euh... en fait j'ai rien contre cette passion mais je regarde pas ces vidéos je le connaissais pas euh, mais en fait il y a eu un problème avec euh, avec un autre youtubeur il euh, y a eu aussi le fait que euh, que bah, avant sa communauté ça en était prise un petit peu à moi alors que j'avais rien demandé euh, et que je ne le connaissais pas ils s'en sont pris à moi sur un groupe facebook et du coup bah, j'ai un petit peu euh, bah, j'avais rien dit à la base puis après là il y a eu un problème avec un autre youtubeur enfin bref il y a eu quelques pépins rien de bien grave et du coup euh, à l'unanimité Limité, euh, et parce que aussi, ben, il y avait des partenaires qui voulaient pas de lui, et ben il ne participera pas. Donc c'est dommage. Mais après moi, j'ai rien contre lui. Je suis juste pas, enfin euh, j'ai pas, en fait je peux même pas dire que je suis pas fan de ce contenu parce que j'ai jamais vraiment regardé. Mais euh, s'il a autant d'abonnés que ce qu'il a, c'est que c'est qu'il est connu et que ça plaît. Donc tant mieux. Après il, il a un certain humour euh, apparemment, mais euh, que je comprends pas. Il est marrant, ouais. Il paraît qu'il est marrant. Ah non, il est marrant en quoi Je sais pas. Donc voilà. Enfin bref. Euh, donc voilà. Moi je le connais pas personnellement. Euh, moi je lui avais envoyé des mails pour euh, pour l'inviter, etc. Il avait dit qu'il venait, etc. Tout se passait très bien jusqu'au moment où, euh, bah, vu que je suis pas dictateur, donc j'ai dû prendre une décision en écoutant les autres. Et ben, la décision, ça a été de, de l'écarter. Donc voilà, on en assume les conséquences. Et, et c'est une décision qui a été prise en groupe, donc euh, c'est pas une décision personnelle. Et euh, voilà. Donc voilà. Mais bon, le sujet est clos. Euh, donc voilà. Ce sera où pour parier Eh ben toutes les informations seront disponibles très bientôt avec la communication. Mais pour le moment, ce sera sur un site euh, internet. Euh, il raconte beaucoup de conneries et j'ai la sensation qu'il s'invente une vie. Euh, je n'en sais rien maintenant dans mon équipe il y a quelqu'un qui travaille chez Ineos et il avait dit une fois apparemment dans une de ses vidéos qu'il chez... enfin, que, qu connaissait quelqu'un qui travaillait chez Ineos sauf que cette personne n'existe pas euh... donc voilà effectivement je pense que et puis parfois dans ce qu'il dit apparemment je sais pas je je peux pas juger parce que j'ai jamais regardé mais apparemment dans ce qu'il dit dans ses vidéos c'est pas toujours très juste et très correct et c'est un petit peu à l'ancienne mais je vais pas juger parce qu'honnêtement j'en sais rien euh... je vais me le faire péter les varices <laughs> du AML BAE 320ème ben ben franchement, GG Valentin, gros respect. Mais donc demain, j'en reviens où j'en étais, demain j'ai Bicool au téléphone pour choisir le circuit, choisir le lieu dans lequel on va mettre les KOM et les sprints intermédiaires, parce que comme sur cette course, il y aura des KOM, des sprints intermédiaires, il y aura de l'animation. Et nous aurons également le comment on appelle ça nous aurons également euh, je les aurai au téléphone pour euh, savoir comment on s'occupe du stream parce que peut-être que c'est Bicool qui va se faire le stream général et euh, nous donc ce sera streamé en fait comme le Tour des Flandres et peut-être que nous on va streamer chacun de notre côté et puis on en fera des vidéos mais euh, ça c'est encore à discuter donc on va discuter de tout ça demain mais parce qu'en fait on voudrait laisser Bicool streamer parce qu'ils ont une très grosse technique hein. vous avez vu ce qu'ils ont fait sur le Tour des Flandres avec les caméras qui on voyait les coureurs en direct pédaler ils peuvent changer les scènes etc donc ce serait probablement la régie de Bicool va s'occuper de tout ça, avec nos deux commentateurs, nos deux commentateurs, c'est euh, Styros, donc le, le youtubeur euh, qui fait du PCM, hein, et ce serait aussi Tutur, donc voilà, euh, donc ça va être incroyable, retenez bien, dimanche 3 mai, départ 15h, de toute façon, la, la, la com' commencera demain ou après-demain, donc voilà, euh, invite Baptiste Gabé à la course des youtubeurs, ouais, mais il n'est pas youtubeur, enfin si, il est streamer, mais je on doit faire un choix, parce qu'on est quand même limité au niveau des de, de ce qu'on peut faire, et euh, on est déjà nombreux parce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent et malheureusement je pourrais pas je pourrais pas l'inviter il va animer la course euh, ouais c'est clair lui il animerait la course mais en fait on l'invite pas c'est pas qu'il est pas assez connu c'est qu'il est trop fort on a peur de lui donc on veut pas l'inviter <laughs> on sera là dimanche 3 mai pas de problème bah, super Thibaut et alors autre rendez-vous qui vient avant le dimanche 3 mai c'est tout simplement ce jeudi avec Quentin Quentin d'ailleurs ce qui est toujours en live oui il est toujours en live il fait sa récup euh, Quentin euh, Ruel euh, avec qui on fait la radio 5311 euh, donc voilà il y aura vélo chinois oui il y aura vélo chinois il est là aussi donc voilà donc ça va être bien, euh, Donc Radio 5311, ce sera ce euh, jeudi 21h, parce que forcément normalement ce sera 20h les autres jours, mais vu qu'il y a la French Fusion, et eh ben moi je vais enchaîner les deux lives et Quentin il court et puis il vient animer la radio avec moi. Donc ce sera la première émission radio libre antenne euh, qui existe autour du cyclisme. Euh en fait, c'est une émission qui est basée sur le fun, sur les anecdotes que vous avez à nous raconter. Et donc, du coup, pour pas se spoiler, on a, euh, on a, on s'est concocté une petite équipe technique faite de modérateurs, euh, de, de gens de la présélection, etc. C'est Guirec qui gère tout ça. Et donc, euh, il a, il a testé les micros, des gens qui vont passer dans l'émission. Il a préparé certains sujets. Il a fait en sorte que euh, comment on appelle ça, que tout le monde soit bien chouchouté, etc. Euh, il a regardé si les histoires étaient fun, et il nous a dit, vous allez voir. Euh, c'est incroyable, euh, on a des anecdotes de fou, moi je les ai pas lues parce que si je les lus ça, ça va manquer de spontanéité sur euh, le début, mais ça va vraiment être fun. Vous allez voir, ça va être incroyable. Euh, on va avoir euh, quelques sujets d'actualité, les news sur les invités qu'on va avoir, et puis ce sera libre antenne, c'est à vous d'animer cette émission, donc ce sera vraiment cool. Euh, ça va être incroyable. Allez, je vais lire euh, les, le chat et puis après on va se laisser tout doucement parce que tout simplement, eh ben, j'ai pas mangé, du coup, j'ai commenté. Toute la famille a mangé sauf moi, donc je vais descendre de manger. Euh... Mais, mais du coup, Frucule, Benjamin, Thibaut, merci à tous d'être venus en tout cas. Euh, il peut faire l'homme mystère, le Baptiste Gabet. <laughs> C'est clair. Mais on a déjà pas mal de, de hommes mystère là. Il y a une affiche qui est faite avec 9 youtubeurs. Euh, en plus de ces 9 youtubeurs, il faut rajouter aux commentaires euh, Styros et euh, Tutur. Euh, et puis ensuite, euh, on aura euh, des surprises. Mais les surprises arrivent bientôt. Euh, mais ça, vous le saurez. Mais ils ne sont pas sur l'affiche, mais ils viendront après. Euh, ça va être triathlète, veste, cycliste. Ah, bah, ça va être. Il euh, y a des triathlètes, des cyclistes. Il y a même d'autres disciplines. Vous allez voir. Hein, euh, ça va être assez euh, passionnant. Les amis. Euh, je vous dis euh, à très bientôt. En tout cas, ça m'a fait plaisir de, de passer ce moment-là avec vous. Euh, C'était un, un réel plaisir. Je vais vous remettre le calendrier. Hein. Regardez ce calendrier. Si tout va bien, on se retrouvera demain à 18h, pour vivre ensemble la deuxième étape de, euh, de, cette, de cette épreuve, donc les tours, euh, les tours les routes de Zwift, ce sera demain à horogate ce sera un circuit de 42 km, 737 mètres de D+, hein, une étape euh, de vallon, départ 18h, donc euh, on vivra ça normalement ensemble. Bon appétit Alexandre marly cycliste, merci pour les commentaires de ce soir, toujours au top, merci Benjamin, toujours au top euh, toi d'être là, euh, c'est toujours un réel plaisir de t'avoir sur le chat, tu as toujours les bonnes infos, et euh, je tiens à te remercier parce que euh, comme euh, qu enfin il y en a beaucoup qui sont sur le live qui, ne, qui commentent et le soutien et la discussion euh, est vraiment fun euh, comme Baptiste comme euh, Frucule il y en a d'autres hein. je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais toi euh, Benjamin tu viens vraiment apporter des infos que je n'ai pas et grâce à toi je ne suis pas obligé d'aller très fouiller sur Gifpoor etc donc je tiens à te remercier et je tiens aussi à remercier tous les autres qui commentent et je tiens à remercier aujourd'hui je fume euh, du crack <laughs> le nom est un peu un peu euh, un peu pété mais euh, merci à toi parce que c'est mon premier abonné, abonné Twitch et donc euh, vraiment euh, ça fait vraiment plaisir. Les amis, euh, à demain. Euh, je vous souhaite une, une bonne soirée. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Euh, prenez soin de vous. Faites attention. Je rappelle qu'on reste à la maison, surtout quand on est français. Et, euh, et voilà, je vous fais des gros bisous. À demain, les amis.